Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque c'est la rétrospective, les 1 an d'Overwatch, la vidéo un petit peu pour fêter du coup les 1 an d'Overwatch, la sortie. C'est vrai que c'est une thématique un petit peu spéciale puisque pour Overwatch, on n'est pas comme dans Starcraft, dans Diablo ou dans Warcraft. C'est pas un univers où on a déjà les codes principaux, les fondements et les bases. On les découvre avec Overwatch, on les découvre avec les différentes sorties, avec les nouveautés, les BD, enfin on verra justement après par quel biais on découvre cette histoire, mais on n'a pas toutes les infos. Et c'est de l'univers vraiment persistant avec des informations au compte-gouttes qui sont livrées chaque mois. Donc je pense vraiment qu'au bout d'un an, justement après la sortie d'Overwatch, c'est important de faire une sorte de compte-rendu avec tout ce qui s'est passé au niveau avancé de l'or en un an. Donc déjà, ça sera en gros la partie bloc numéro 2, puisque la première grosse partie de bloc d'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'Overwatch, bien entendu avec la crise des Omniums, etc. Ça c'est dans une autre vidéo, elle sera dans le lien, vous l'avez déjà probablement vu. Ça sera la suite du coup avec l'avancée de l'or et notamment après la cinématique Recall, le rappel qu'avait mis Winston, où on veut voir un petit peu ce qui va avancer dans l'univers d'Overwatch, l'Overwatch 2.0, les nouveaux héros, etc. voir dans quelle direction va Overwatch tout simplement. Et du coup, pour ces 1 an, bien entendu, il va falloir qu'on parle de la vidéo. Alors c'est une vidéo probablement tout le monde a déjà vu, et pourtant elle est super importante, même après 1 an. C'est quand même peu dire, comme quoi Overwatch a fait une très belle transition. C'était la vidéo avec les deux gosses, les deux petits frères, les deux frangins dans le musée. Alors la vidéo n'a pas, à proprement parler, elle n'a pas de nom spécial, c'est tout simplement bande-annonce Overwatch, hein. C'est pas voilà, rappel ou envie, etc. comme les autres, mais au final on pourrait l'appeler l'attaque du musée, parce que c'est une journée au musée tout simplement, c'est le musée d'Overwatch donc, qui est basé en Suisse. On voit les deux gamins qui justement, enfin les deux petits qui vont dans le musée pour voir un petit peu justement ce qui s'est passé avec Overwatch, tout ça, certaines reliques du passé, etc. Et au final, c'était la première vidéo présentation d'Overwatch où on avait une partie de l'or, on voyait des choses, etc. On voyait ensuite un peu de gameplay avec les premiers persos, Tracer, Winston qui affrontaient Fatal et Reaper. Et du coup, c'est super important parce que, bien sûr, on avait les premiers points de l'or, mais on avait également pas mal d'autres choses. Et vous allez voir que ces petits détails, ils ont de l'importance un an après. Mais c'est super intéressant parce que cette vidéo, tout le monde l'a vue et au final, eh bien, elle tease peut-être, on en reparlera à la fin de cette vidéo, mais elle tease aussi de prochains événements. Donc ça, c'est important de le noter. Et du coup, on va se la regarder parce que sur les précédentes histoires d'un héros concernant Overwatch, on ne l'avait pas encore vue. Donc ça va être l'occasion justement de la regarder pour la première fois dans une histoire d'un héros, la première vidéo sur Overwatch. La guerre. Le monde vacillait au bord de l'anarchie quand un nouvel espoir survint. Une troupe d'élite internationale ayant pour seul objectif de mettre fin au conflit et de restaurer la paix pour l'ensemble des nations. Overwatch. Des soldats, des scientifiques, des aventuriers, des marginaux. Des gardiens qui ont assuré une paix mondiale pendant une génération. Sous leur protection inébranlable, le monde put lentement se remettre. Et même si leur veille est terminée, leur idéal de liberté et d'égalité ne sera jamais oublié. C'était trop cool! Et dans cette baston, ils avaient Séismo! Tu te rappelles celui avec des missiles sur le ventre? C'est lequel ton préféré? Moi, c'est Fusionator. Non. Tracer! Ouais, Tracer! Hello, mon chou! La cavalerie est arrivée! Piou, piou, piou. Il paraît qu'il pouvait écrabouiller un gratte-ciel tout entier. Et au milieu de la baston, quand Winston l'a battu et qu'il a hurlé « Rage primordiale !» Oh, c'est seulement dans les holovides. On sait tous qu'Overwatch a été dissous.
La moitié sont devenus des mercenaires depuis. Alors, l'exposition vous plaît ? Bon, fini la récré, tous à couvert. Allez, dépêche ! Ah, te voilà. Psst, qu'est-ce que tu regardes ? La cavalerie est arrivée. Allez, mon grand, relève-toi. Oh non! Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros. Allez, transition super longue. En attendant, du coup, voilà, bon, je sais que beaucoup de monde l'a déjà vu cette vidéo, mais c'est quand même, elle est super importante. Et bon, pour pas mal de trucs, il y a déjà des petits teases de prochains héros, mais ce qui est très important, c'est surtout qu'au final, c'était la première vidéo qui a annoncé du Overwatch. On voit même que Tracer, au final, a changé au niveau du visage. Et pourtant, ce n'est pas la première dans l'histoire d'Overwatch. C'est-à-dire que, on verra à la fin, on fera un petit rappel de l'ordre des cinématiques, mais au final, dans l'histoire d'Overwatch, c'est bien la suite de Recall. Recall, elle était dans la première partie de, justement, de l'histoire d'Overwatch. C'est pas pour rien parce que tout repart avec Recall, la deuxième vidéo d'Overwatch. Je vous laisse aller voir la première vidéo pour voir justement le Recall. Mais du coup, celle-là est après. Une fois que Overwatch 2.0 s'est reconstitué et du coup que Winston
redevient en gros un peu le patron et le nouveau patron d'Overwatch. Bien sûr, dans la plus grande des illégalités, je le rappelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce musée basé en Suisse, qui était dans les anciens quartiers généraux, enfin basé à côté des anciens quartiers généraux d'Overwatch, c'est très intéressant parce que c'est toujours un petit peu dans cette optique de super-héros. C'est vraiment, on sent l'inspiration DC et Marvel, quoi. C'est vraiment les super-héros dans de la science d'anticipation, en fait. Et on a justement donc peut-être des nouveaux héros qui pourraient arriver. On voit bien sûr Doomfist, on en parlera enfin, s'il vous plaît, qu'il ne s'appelle pas Point d'Enfer, s'il vous plaît. Enfin bon, ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais du coup, c'est vrai que c'est très important pour baser justement la suite d'Overwatch 2.0. Et cette première vidéo, elle est importante parce que c'est directement dans la continuité où on voit justement des nouveaux agents d'Overwatch, des anciens bien sûr, qui ont repris le flambeau d'Overwatch et qui sont dans cette phase de nouveau recrutement en fait, et qui affrontent des ennemis qui sont déjà là, les mercenaires comme on peut les appeler, hein, la griffe avec Fatal et Reaper, qui justement sont en train de vouloir voler le gantelet de Doomfist dans le musée, etc. Bon, ça c'est d'autres points, mais on sent directement que voilà, le nouveau Overwatch est là, et donc dans la continuité, c'est la suite de la vidéo de Recall. Et pourtant, c'est la première vidéo, donc ça fait un croisement, et il faut bien sûr le rappeler, mais c'est très important. Et à côté de ça, on parle de vidéo, il y a eu plusieurs court-métrage promotionnel à la sortie d'Overwatch avec Envie, Dragon et Héros. Il y en a déjà deux qu'on avait vu dans des précédentes vidéos sur l'histoire d'un héros. Il y a juste Héros, celle sur Soldat que j'ai pas encore montré, ne serait-ce qu'une question de temps, mais voilà, ça c'est des vidéos qui vont être très importantes puisque au niveau de l'avancée du lore, il n'y a pas de campagne, je rappelle, hein, bien sûr, vous avez probablement déjà joué à Overwatch, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mode solo, on va dire, de mode histoire. Et du coup, c'est par ce genre de biais, par ces vidéos promotionnelles et par des bandes dessinées, on attaquera les BD juste après, que le lore d'Overwatch avance. Et du coup, dans Envie, dans les trois, c'est probablement Envie qui a le plus d'importance au niveau du lore, puisque dans Envie, on voit justement la mort de Tekarta Mandata, le guide suprême, le Gandhi de l'histoire d'Overwatch, le Dalai Lama de l'histoire d'Overwatch, avec justement Fatal, l'évolution avec Tracer, etc. Et dans Dragon, on voit que bon, ça je vous laisse aller voir la vidéo consacrée à Genji, où on a beaucoup parlé justement de d'Anzo et de Genji, du clan Shimada. Et à côté de ça, on voit Soldat 76 qui a ce rôle aussi de... Si vous regardez, je vous conseille de re-regarder la vidéo, vous tapez Overwatch, héros, soldier, etc. Vous allez la voir, et honnêtement, on sent encore le côté Batman. Puisque je rappelle, l'Overwatch 2.0, contrairement à la première génération d'Overwatch, la nouvelle génération post-recall est dans l'illégalité la plus parfaite. Hein. C'est vraiment... Les Overwatch est dissous, il y a le Petras Act, on n'a pas le droit d'agir. Donc, quand ils aident justement la population, quand Tracer et Winston viennent empêcher le vol du gantelet dans le musée, que Soldat 76 il joue des poings et du fusil face aux Los Muertos, ils sont dans l'illégalité. Si la police leur tombe dessus, c'est directement en prison. Donc ça, ce côté assez dark, le nouvel Overwatch est assez sombre à ce niveau-là, puisque même s'ils ont des super idéaux, ils sont dans l'illégalité par rapport à l'opinion publique. Eh bien, c'est des criminels, tout simplement. Alors, c'est des criminels qui chassent d'autres criminels, mais ça n'en reste pas moins des criminels. Donc c'est vachement important à ce niveau-là. Donc voilà, là, c'est à peu près au niveau chronologique, c'est à peu près au même moment. Et en plus, dans les deux cas, c'est chronologiquement au même moment, puisque par rapport au lore d'Overwatch, c'est en même temps quasiment. Et pour nous, les trois vidéos sont tombées à peu près en même temps que la sortie d'Overwatch, donc là-dessus, il n'y a pas trop d'avancée. On va suivre justement l'avancement de l'année, et à côté de ça, il y a eu d'autres outils de lore, et c'est les BD. Donc là, on voit... Alors, la qualité de l'image n'est pas terrible, mais là-dessus, c'était parfait parce qu'on voyait justement toutes les BD d'Overwatch avec justement le numéro 1. Et par contre, l'ordre est très important puisque c'est aussi dans l'avancée... Enfin, c'est important. C'est pas forcément toujours le respect de l'histoire parce qu'il y a des flashbacks, etc. Mais c'est quand même important l'ordre d'apparition. Puisque le premier, c'est Macri sur un train aux États-Unis, et on entend parler justement du vol du fusil de Soldat, donc le soldat qui a cambriolé Helix. Helix est une grande compagnie, une grande entreprise, et qui a volé justement le prototype de pistolet, et c'est son arme, hein, tout simplement. Donc Soldat 76, on voit le côté Batman, hein, parce qu'on voit le côté criminel d'Overwatch. C'est sous-jacent et c'est rarement montré direct. Mais pourtant, enfin voilà, Soldat 76, c'était l'ancien Morrison, l'ancien commandant d'Overwatch. C'est lui qui a quand même sa statue à son effigie. C'est le mec qui est censé être le chevalier blanc et tout. Et au final, c'est presque devenu un Batman. J'aimerais bien un skin d'ailleurs noir, sombre pour Soldat 76, parce que c'est vraiment le Batman, hein, Soldat 76. Hein. Et il a cambriolé
une entreprise pour avoir une arme pour mieux affronter, pour mieux faire, enfin ouais, pour faire régner la justice. Donc on voit le côté un peu dark quand même hein, des nouveaux agents d'Overwatch. Et enfin, en l'occurrence, c'est un ancien, mais c'est l'Overwatch 2.0, vous m'avez compris. La deuxième BD, c'était focalisé sur Reinhardt et Brigitte. C'est son aide de main. Alors on ne sait pas si Brigitte pourrait devenir un héros d'Overwatch ou pas. On ne sait pas trop si c'est une ancienne agent d'Overwatch aussi. En tout cas, c'est celle qui s'occupe de l'armure de Reinhardt. Et Reinhardt, on le voit dans son pays natal, l'Allemagne, où il va justement continuer à jouer. Et on voit que c'est des anciens agents d'Overwatch. Et du coup, ils ont toujours cette fibre d'aider les gens. Même si dans l'illégalité, ils n'ont pas le droit, ils aident les gens en fait, malgré eux. Et du coup, Macri, bah, il sauve le train au final d'une attaque de la griffe. Et d'ailleurs, très intéressant parce qu'il y a une espèce de... Il y a un outil, enfin une espèce de relique, on ne sait pas trop ce que c'est, de la technologie probablement Omniac, et qui est attaqué dans le train, qui était transporté probablement par Alix d'ailleurs, et au final, alors on voit que c'est la griffe qui vient le chercher. Bon, au final, Macri il a protégé le train, mais il a laissé la griffe récupérer l'artefact. Donc on sait pas trop ce que c'est, mais ça pourrait ressortir dans l'avance de l'histoire. Reinhardt, bon, c'est juste, voilà, il affronte un gang qui s'appelle les Dragons. Ça permet de faire une très belle. Je vous conseille de toutes les regarder, bien entendu. Mais voilà, ça avance pas trop, mais on voit un petit peu sur Reinhardt qu'il continue à aider les gens, etc. Troisième est très intéressant puisque c'est Chacal et Rodog. Et eux. Bah, c'est pas des vrais agents d'Overwatch, ils l'ont jamais été. Et est-ce qu'ils arriveront un jour dans l'Overwatch 2.0 ? On sait pas, parce qu'à l'heure actuelle, on fera bien sûr une vidéo consacrée à Chacal et Rodog, mais c'est plutôt des anti-héros, c'est vraiment même des adversaires, c'est des antagonistes. C'est des mecs qui sont profondément racistes envers les Omniacs, qui ont saboté un Omnium et qui a créé, ne l'oublions pas quand même, un espèce de Tchernobyl puissance 3, voire 4, voire 5, je ne sais pas, en Australie. Donc, certes, ils sont mignons, ils sont rigolos, tout ça, mais c'est des criminels plus que criminels. Hein. Donc, ouais, ils sont pas si gentils que ça. Ils ont l'air rigolos, ils volent des glaces, tout ça, c'est marrant. Ils ont un côté très malsain quand même. Après, il y a le côté justement un petit peu gentil, donc peut-être que ça pourrait évoluer. Mais c'est pas des gentils, c'est clairement pas des gentils. Derrière Symmetra, on en avait parlé dans l'histoire sur Lucio, très importante, puisque on voit le Brésil avec la confédération, le Vishkar, donc l'organisation, enfin l'entreprise Vishkar, avec Symmetra, qui est une ancienne justement de l'entreprise, et l'impact de la société Vishkar au Brésil. Donc ça joue beaucoup sur ce que va devenir Lucio. C'est une BD un peu flashback. Ensuite, on voit Pharah aussi. Pharah qui a failli rentrer dans Overwatch mais qui n'a jamais fait partie d'Overwatch concrètement et qui est un petit peu dans ses Overwatch 2.0, hein, on le rappelle, Pharah Amari, la fille d'Anna qui est l'un des membres fondateurs et du coup qui est dans les traces de sa mère hein, tout simplement et qui justement va combattre un petit peu. Bon là en l'occurrence elle est dans le mandat, elle n'est pas dans l'illégalité puisqu'il y a une crise qui arrive en Égypte, une nouvelle crise par rapport aux intelligences artificielles et l'intelligence artificielle nommée Anubis. Avec les anciens dieux, c'est plutôt intéressant aussi. Ça, on pourrait évoluer avec l'avancée du lore, avec justement les autres intelligences artificielles comme Anubis, que Pharah doit protéger justement et empêcher, on va dire, que les Omniacs reprennent le contrôle, en tout cas du Caire, enfin de l'Egypte. À côté de ça, Tobjorn, on en a parlé dans la vidéo de Diva, puisque ça parle du titan, d'un titan, donc un de ces Omniacs géants qui peut se reprogrammer, etc., et qui devient de plus en plus puissant et il est évolutif. Donc Tobjorn, on apprend justement dans cette BD qu'il est à l'origine de la création de pas mal d'Omniacs. Donc on apprend qu'il a un passé, il aurait peut-être bossé chez Omnium Corporation d'ailleurs, peut-être, c'est possible. En attendant, je rappelle que Tobjorn, c'est un des membres fondateurs d'Overwatch, donc c'est aussi ses connaissances qui ont permis de vaincre les Omniacs, en tout cas pendant la crise des Omniums. Et à côté de ça, on apprend que du coup, il a du sang sur les mains, Tobjorn, puisqu'il est l'un des créateurs et l'un des programmateurs des Omniacs qui du coup se sont rebellés contre l'humanité. Donc, il a du sang sur les mains parce que par sa faute, même si c'était pas le but de la création, bah, il s'est retourné contre le créateur. Donc Tobjorn justement, il a cette espèce de chasse et de quête. Tobjorn a une histoire super intéressante et il a cette espèce de quête justement de rédemption où il faut qu'il puisse neutraliser la menace qu'il a créée en fait, hein, tout simplement. Donc c'est super intéressant. Ensuite, on en reparlera après, mais il y avait les BD sur Anna.
les deux BD d'ailleurs sur Anna. Ensuite, bon, ça c'est juste, c'est la BD un petit peu alien, c'est celle qui n'a rien à faire là en fait, puisque c'est une BD sur chaque Einstein, mais c'est pas du lore concrètement, c'est du lore rigolo, du lore parodique qui a rien à voir avec la vraie histoire d'Overwatch, même si on sait que c'était une des lubies un petit peu ange, hein, Angela Ziegler, qui aime bien se déguiser en sorcière pour Halloween. Voilà, ça part de là, hein, le délire. Et enfin, on en reparlera plus avant, bien entendu, mais la BD sur Tracer, il y en aura deux autres après, et on attaquera en détail. Mais voilà, donc les BD, c'est très important pour la source d'avancée de l'histoire d'Overwatch, et on y reviendra à la fin, puisqu'il y a pas mal d'annonces comme quoi il pourrait y avoir des persos qui vont avoir justement leur BD consacrée. Pour voir un petit peu comment le perso évolue, etc., son histoire, etc. Donc super important, et justement ça va amener à des nouveaux persos. Et justement, les BD, eh bien, il y a une de ces BD, on est à peu près, on est en juillet donc 2016, et il commence à y avoir un nom qui arrive, c'est Sombra. On commence à parler de Sombra. Sombra, il y a des petites photos, il y a un teasing de fou qui est mis sur probablement un des meilleurs teasings du jeu vidéo, je pense, de l'histoire du jeu vidéo, Sombra, avec des codes qui sont cachés dans certaines vidéos qu'il faut aller récupérer pour savoir déchiffrer le mot de passe, etc., pour avoir accès à ça qui te permet de tease le prochain teasing, etc. C'est monstrueux, c'est vraiment une campagne publicitaire qui a mené Blizzard qui a été hallucinante. Et du coup, on entend parler pour la première fois de Sombra. Donc Sombra, on se dit, c'est probablement le prochain héros, parce que le dernier héros avant la sortie d'Overwatch, c'était Lucio. Donc une fois qu'Overwatch est sorti, on se dit, le prochain héros, bah, ça devrait être cette Sombra. Et au final, il y a quelques artworks, etc., qui commencent à filtrer, et on voit ce visage-là, et on se dit, ah, bah voilà à quoi va ressembler Sombra, probablement. Sombra, cette espèce de hackeuse, on avait déjà des traces, justement, de Sombra dans des voice lines, donc dans des dialogues entre les persos. C'était notamment Faucheur qui en parlait. Faucheur, il disait, pourquoi Sombra n'est-elle pas là quand on a besoin d'elle, un truc comme ça, je crois. Et du coup, on se disait, ah, c'est probablement Sombra, cette dame-là. Et au final, eh bien, pas du tout. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu un masque assez futuriste et tout. On se disait, bah, c'est probablement Sombra. C'est un côté un petit peu... Quand on le voyait, en plus, souvent, c'était assez sombre. Et du coup, on se disait, bah, c'est probablement un méchant, justement. Et au final... Pas du tout. Il y avait pourtant des petits teasings aussi cachés dans les maps avec des informations, etc. On voyait notamment le fusil soigneur, etc. Donc on se disait que peut-être Sombra sera un healer, un support, etc. Et il y avait pas mal de théories qui partaient. Et en fait, le teasing de Sombra teasait en fait un autre perso, puisqu'il s'agit tout simplement d'Anna Amari, l'un des membres fondateurs d'Overwatch, qui est sorti dans le plus grand des calmes, hein, comme j'aime bien le dire. Tout le monde s'attendait à Sombra, et là, boum, Anna Amari. Et là, t'es là, ah, ah, et au final ça a fait une sortie un peu étrange, puisque bah du coup Anna, le gameplay était super intéressant, le perso est cool, c'est quand même un des membres fondateurs d'Overwatch, donc c'est quand même aussi pas rien. Je rappelle que les deux seuls persos membres fondateurs d'Overwatch qui n'étaient pas jouables, il s'agit d'Anna Amari et de Liao, et Liao on en reparlera plus tard, mais sinon on avait Reinhardt, on avait Tobjorn, on avait Soldat 76, puisque c'est Morrison, Faucheur, Gabriel Reyes. Du coup, on avait tous les membres fondateurs. On avait tous les membres fondateurs, sauf Anna et Liao, puisqu'ils sont 6. Et du coup, on avait enfin Anna. Donc on se dit, Anna, on la pensait morte, etc. Bah, c'est super, Anna revient. Et au final, il va y avoir deux BD carrément consacrées à Anna et qui vont avancer énormément de choses. Déjà, qu'est-il arrivé à Anna? Pourquoi n'est-elle pas présente dans le jeu de base? Pourquoi n'est-elle pas sortie comme tout le monde? Et on a une BD sur les origines justement d'Anna. Je vais pouvoir revenir à la limite pour vous montrer. Voilà. C'est la première où on voit justement l'héritage. On voit le fusil Anna assez vieillissant, qui commence à être vieillissant, mais toujours dans son super uniforme Overwatch avec le sniper. Et justement, on va apprendre ce qui s'est passé. Que Anna était lors d'une mission, a été prise en embuscade comme toute son escouade par la griffe, et qu'au final elle a été quasiment mortellement blessée par Fatal, qui était dans ses premières missions en fait, hein, Fatal juste après sa reconversion par la griffe, donc enfin même après le brainwashing qu'elle a eu, hein, c'est à dire qu'on lui a reprogrammé le cerveau alors qu'elle était juste, enfin c'était Fatal n'était pas spécialement une menace, et d'un coup en fait la griffe a réussi à lui reprogrammer le cerveau. Et elle est devenue un agent dormant de la griffe, et d'un coup elle a assassiné un des officiers importants, Lacroix, hein, tout simplement, hein, Gérard Lacroix, un des officiers importants d'Overwatch. Et du coup, on ne savait pas ce qui était devenu Fatal, et c'était une des premières retrouvailles avec Fatal, où en fait, justement, Anna est en mode « Amélie Lacroix, qu'est-ce qui se passe ?» et tout,
Et au final, elle hésite au lieu de tirer sur son opposant, ce qui fait que Fatal lui assène un coup quasiment mortel. Elle perd un œil, Anna, justement. On le voit ici, hein. Anna perd un œil. Je rappelle au passage, pour la petite parenthèse, que Anna, c'est A-N-A. Parce que j'en vois souvent des Anna avec des H, avec deux N et tout. Non, c'est A-N-A. Voilà. Mais du coup, elle se prend une balle dans l'œil. Elle est considérée comme morte. Et au final, elle va être sauvée. Et pas par. Enfin, d'ailleurs, elle va être sauvée et on va la garder un petit peu dans le brouillard parce que elle va garder son. Elle veut justement pour mieux combattre, on va dire, les nouvelles menaces, elle veut se faire passer pour morte. Et au final, beaucoup, beaucoup de choses autour de son sauveur puisque c'est Mercy, c'est Angela Ziegler qui va réussir à sauver Anna. Mais comme pour Soldat 76, comme pour Gabriel Reyes, hein, comme pour Morrison, comme pour Gabriel Reyes, comme pour Genji, c'est elle qui va sauver à peu près tout le monde. Angela Ziegler, elle sauve tout le monde. Mais comme beaucoup de personnages, eh bien, ils vont rester pour mort. Je rappelle que Morrison est considéré comme mort à l'heure actuelle, même si on sait tous maintenant que c'est Soldat 76. Gabriel Reyes, on sait tous que c'est Reaper, c'est Faucheur, mais ils sont considérés comme mort. Et Anna, pareil, est considérée comme mort. Et elle va garder le secret, c'est le secret médical hein, d'Angela Ziegler. Elle garde le secret, Anna lui fait promettre de garder le secret. Et du coup, Anna va rester dans l'ombre et elle va devenir autre chose. Elle va devenir something else. Elle va devenir quelque chose d'autre puisqu'elle va devenir tout simplement ce nouveau fantôme en gros qui va agir notamment en Égypte pour affronter la griffe, etc. Et elle a un petit peu un côté neutre. Elle attaque, c'est un petit peu le super-héros, encore une fois, dans l'ombre, qui rôde, qui aide la population. Mais on ne sait pas trop quelles sont ses intentions. On ne connaît pas du tout quel est ce spectre, quel est ce fantôme. Et ce qui fait que les nouveaux agents d'Overwatch et les anciens ne savent pas quelles sont ses intentions. Et au final, elle garde justement un œil sur sa fille. Elle veut voir un petit peu, elle veille dans l'ombre sur sa fille, sur Pharah, sans pour autant lui révéler qu'elle est encore vivante, puisque ça pourrait être une éventuelle menace du coup pour sa propre fille. Donc elle reste dans l'ombre et elle va surveiller les agissements de sa fille. D'ailleurs, sur les nouvelles maps qui sont sorties pour le 3v3, il y a la Nécropole qui est une map qui est tout simplement le quartier général de Anna dans son côté spectre fantôme où justement elle veille comme un super héros sur la ville du Caire. Et du coup c'est vachement intéressant parce qu'on voit plein d'éléments de lore, d'histoire, et notamment qu'elle a toujours justement une vue et elle surveille ce qui se passe autour de Faucheur et autour de sa fille. Et donc ça c'est super intéressant. Et l'autre BD justement va être sur le fantôme, hein, donc Anna qui va traquer Faucheur, Reaper, elle va tomber dessus et au final elle tombe aussi sur Soldat 76, sauf qu'elle ne sait pas exactement au départ qui est quoi, et du coup elle a des soupçons, elle a des forts soupçons bien sûr sur les identités de chacun, et au final il y a une rencontre un petit peu triumvirate entre Faucheur, Anna et Soldat 76, Morrison. Du coup c'est super intéressant parce que on voit en fait, enfin Anna voit qui se cache derrière Reaper et elle voit qu'il s'agit en fait de Gabriel Reyes. On n'a pas le visage de Gabriel Reyes après l'incident contre Morrison, mais visiblement, vu l'air que sort Anna, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Hein. Et du coup, elle a traqué pendant des mois et des mois, voire des années, Reaper, et elle se rend compte qu'en fait c'est un de ses anciens amis d'enfance, enfin un de ses anciens meilleurs amis, c'était Gabriel Reyes. Donc ça change tout dans le déroulement d'Anna. Et ça c'est super intéressant, donc ça c'est les BD sur Anna. Arrive la Gamescom, donc on était au mois de juillet avec la sortie d'Anna, arrive la Gamescom et un teaser, le nouveau court-métrage est annoncé, il s'agit de Bastion, un court-métrage destiné à Bastion, qui se passe du coup le 18 août à la Gamescom avec l'annonce de ce court-métrage sur Bastion. Vous l'avez vu dans la vidéo sur l'histoire d'Overwatch, puisque ce qui est super intéressant, c'est que c'est à la fois l'Overwatch 2.0 hein, qui arrive avec Bastion, que va-t-il devenir dans ce nouveau monde avec crise entre les Omniacs et les humains, et le flashback avec ce qu'étaient les Bastions, justement, parce que Bastion, c'est son nom, mais le Bastion, à la base, c'est justement l'unité de le robot. Complètement, enfin les robots qui ont été un peu les droïdes de casse de Star Wars quoi, c'était les robots suprêmes on va dire sur le terrain qui ont fait des milliers de morts parce qu'une seule unité Bastion c'était monstrueux, et du coup c'est le dernier véritable Bastion opérationnel qui
qui est justement qui se réveille des années et des années après dans la forêt d'Eichenwald, en d'Eichenwald d'ailleurs je pense, ça se prononce comme ça, en Allemagne. Et on voit justement du coup le bastion qui est couvert de justement de mousse, etc. Et c'était déjà un petit teasing qui avait été fait, puisque dans la version d'origine, dans la version Overwatch Origins, donc la version spéciale d'Overwatch, on avait accès à ce skin, en gros le bastion quand il s'est réveillé. Et là on va avoir accès à ça. Je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros sur Overwatch, mais on voit justement cette vidéo sur Bastion, et on voit justement les ce qu'ont vécu pendant la guerre des Omniums, pendant le conflit avec les Omniacs, ce qu'ont vécu les humains. Et on voit à quel point c'était meurtrier un bastion, une unité bastion. Et on voit que cette unité bastion, elle se pose des questions, elle se questionne. Et elle va avoir son propre libre arbitre. Et au final, elle a choisi la paix plutôt que la violence. Elle a connu la violence et elle découvre la paix comme un nouveau-né en fait. Et elle choisit la paix et du coup, elle ne va pas faire de mal aux humains. Et cette espèce de petite parenthèse sur Bastion qui nous donne plein d'informations aussi sur ce que devient l'Allemagne. Il y avait la BD bien sûr sur Reinhardt, mais on voit un petit peu ce qui s'est passé, et surtout enfin on voit avec des vraies images ce qui s'est passé pendant la guerre des Omniums. Donc ça c'est super important pour le flashback. Et du coup la parenthèse c'est que le petit Bastion bah, il continue, et ça pourrait devenir un des nouveaux héros aussi de cette Overwatch 2.0 en rejoignant Overwatch. Mais là c'est encore très loin, on sait pas trop comment ça va aller. Petite pause, on aura la réponse dans la même année, enfin on aura la réponse dans cette année en tout cas de lancement d'Overwatch, mais ce sera bien plus tard. Arrive la BlizzCon, il y a toujours des gros teasings sur son bras, il y a même un leak qui sort. Et le leak, je reviens sur là dessus, je vous laisse aller voir la vidéo concernant la BlizzCon où on avait beaucoup parlé. Est-ce que c'était un vrai leak ou pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, les teasings s'achèvent avec la sortie de Sombra, double vidéo sur Sombra. Il y a alors l'infiltration, la grosse vidéo, le gros court métrage qui a demandé beaucoup de moyens. Ça, je vous laisse aller voir la vidéo justement spéciale BlizzCon au niveau des avancées de l'or. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. Et il y a aussi la vidéo, et ça, je vais la remettre. Je crois que je l'avais déjà mise, mais je vais la remettre parce qu'elle est super importante. Elle est super importante. C'est l'histoire de Sombra, et on apprend justement que Sombra est l'une des meilleures hackeuses du monde, si ce n'est la meilleure, et elle a des connaissances sur toutes les personnes, que ce soit des personnes d'Overwatch, que ce soit les personnes de la CRIF, de Numbani, les Russes avec Volskaya, Lumerico au Mexique, etc., etc. Elle a connaissance de tout, en gros. Donc elle apparaît comme une antagoniste puisqu'elle est avec Faucheur et Fatal, mais au final elle traque une menace qui est au-dessus de ça. Donc on passe d'une menace qui semblait être la griffe, l'antagoniste principal d'Overwatch, sachant qu'on savait qu'il y avait des soucis, que Overwatch avait dû disbander en gros à cause de problèmes internes et externes. Et on a découvert par la suite justement que il y a une menace terrible et une conspiration qui pèse, on va dire, sur le poids du monde et sur l'équilibre des pouvoirs. Et du coup ça c'est super important parce que au final, l'annonce de la BlizzCon, on pourrait dire oui, c'était juste un nouveau perso, mais au niveau du contenu et du background, c'est super important parce que c'est vraiment un pied dans la fourmilière, quoi. Ça saute tout et il y a plein de connexions qui vont se mettre, et on va reparler justement de ces connexions à la fin, mais on va pouvoir attaquer du coup la vidéo justement sur l'histoire de Sombra avec cette conspiration. Qui est Sombra? Personne. Pour le système, elle n'existe pas. La guerre a laissé des milliers d'enfants comme elle, oubliés de tous. Mais aucun d'eux ne disposait de tels dons pour le piratage. Et bien vite, elle apprit que les gens, eux aussi, pouvaient être manipulés. Elle finit par comprendre que dans ce monde, l'information, c'est le pouvoir. Pirater devint alors une addiction. Hommes politiques, multinationales, gouvernements, rien ne lui résistait. Jusqu'à ce qu'elle se fasse repérer. Quand le matériel est dépassé, c'est qu'il est temps de l'améliorer. La gamine disparut pour laisser place à Sombra. Maintenant, je suis prête. Je vais découvrir qui dirige vraiment le monde. Je trouverai ses failles et le moyen de les exploiter. Et alors, c'est moi qui tirerai les ficelles. Qui est Sombra?
Vous ne le saurez jamais. Adios. Voilà, donc c'est justement cette conspiration dont Sombra a été la victime qui est vachement intéressante. Et j'ai trouvé cette image justement où il y a pas mal de choses. Alors, cette conspiration donc est appelée l'Iris. Attention à ne pas confondre avec l'Iris que les omniaques qui suivent Tecarta Mandata, ils parlent d'Iris, et Zenyatta d'ailleurs parle également d'Iris, cette espèce de paradis, on va dire. Attention à ne pas confondre les deux, c'est juste que c'est un œil, du coup ils l'ont appelé l'Iris, mais c'est l'œil, enfin eye quoi, en gros, c'est l'œil, et c'est justement cette conspiration. Et pour le moment, on n'a pas d'histoire dessus. Par contre, on voit toutes les connexions, et ça c'est super important, parce qu'on voit toutes les connexions justement avec, par exemple, la griffe Talon. On voit Reaper qui est connecté à la griffe, mais qui est un ancien agent d'Overwatch, donc il y a ces liens entre les persos. On voit Widowmaker avec éventuellement en dessous, ça pourrait être justement Gérard Lacroix, l'ancien époux d'Amélie Lacroix qui est fatale et qui l'a tué, etc. On voit toutes les connexions justement qui sont mises, même avec Genji, on voit le clan Shimada, on voit que ça remonte, on n'a pas toutes les infos. On aimerait justement avoir plus, parce qu'on voit qu'il y a des choses au-dessus, tout à gauche aussi, avec le Mexique, on voit tout à droite le Japon avec les clans Shimada. Il y a aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on voit le lien Winston Tracer, mais juste à côté on voit le lien Reinhardt, Brigitte, donc celle qu'on a vue dans la bande dessinée, Thorbjorn. Et à côté de ça, on voit un omniaque et on sait pas qui c'est, et il y a des liens qui partent vers le haut, et on aimerait avoir ces réponses, bien entendu. Donc en fait, la BlizzCon nous a donné des éléments d'histoire avec justement l'usine Volskaya, la Russie, qui est quand même un des endroits les plus importants. Je vous laisse aller voir bien sûr la vidéo concernant Zarya, et également la vidéo de la BlizzCon où on voit beaucoup d'importance au niveau de la Russie. Mais en fait, c'est génial parce que c'est une réponse à plusieurs questions. Et au final, on a plus de questions que de réponses à la fin. C'est oh là là, on aimerait ça. Et pour le moment, on a eu des avancées et certaines réponses sur certains points, mais sur d'autres, il y a encore beaucoup d'interrogations, bien entendu. Et c'était tout l'intérêt justement de la vidéo, c'est de faire un rappel de ce qui se passe. Mais ça, il faut le garder. Il faut vraiment le garder du coin de l'œil, parce que toutes ces connexions, elles vont avoir énormément d'importance par la suite. Énormément d'importance. Et donc la BlizzCon annonce vraiment un truc de fou. Et peut-être que la prochaine BlizzCon répondra et redonnera encore plein d'interrogations, on verra. Mais Sombra est un personnage qui a été tease pendant des mois et des mois, et c'est pas pour rien, parce que justement, là on commence à avoir une vue globale sur quelles sont les menaces, quels sont les grands agents les plus importants, on va dire, sur les adversaires d'Overwatch, sur leurs alliés, etc., toutes les connexions qui se mettent. Et on voit déjà aussi des nouveaux personnages qui sont pas forcément ultra importants. On voit le lien entre, par exemple, Anna et Farah, c'est une personne, et on va avoir des réponses plus tard, mais il y a aussi des petits détails pour les personnages, on va dire, qui les concernent directement. En attendant, juste après la BlizzCon, on a une annonce, une nouvelle bande dessinée qui devait arriver, qui était déjà même disponible en précommande sur certains sites, c'était First Strike, et First Strike, la bande dessinée a été annulée, et c'est très dommage, mais il y a pas mal de réponses là-dessus, parce que c'était justement une BD qui devait revenir sur le flashback du flashback. En gros, sur l'une des premières missions, enfin l'une des missions de la toute première troupe Overwatch, avec les 6 justement. Donc Reaper, enfin pas Reaper, Gabriel Reyes, Morrison, Anna Marie, Reinhardt, Thorbjorn. Et on voit quelque chose, et ça c'est une bombe de larguer, parce qu'on a très peu d'informations sur le 6e membre fondateur qui est Liao. On sait juste qu'il est d'origine chinoise probablement, taïwanaise, après c'est chinois, mais bon, c'est autre chose. Mais on sait que bon voilà, c'est un chinois probablement. On sait pas si c'est une femme, on sait pas si c'est un homme, et on ne sait même pas si c'est un être humain. Ça peut être un omniaque aussi, hein, on n'y a pas pensé, mais Liao, ça peut être un omniaque. Et il y avait cette couverture qui avait été justement donnée, enfin qui avait été montrée, et on devait avoir plein de renseignements sur le tout début d'Overwatch. Et ça, c'est des choses qu'on veut connaître, qu'on veut savoir. Et au final, c'est annulé. La réponse a été donnée, c'est que, bien sûr, Blizzard à terme veut montrer justement cette histoire, mais au final, comme c'est une histoire qui évolue sur la durée, eh bien on veut pas faire de raté sur justement le noyau dur, sur l'origine de l'histoire, et on laisse ça encore un peu flou, parce que on est en train d'explorer des nouvelles pistes qui rendraient obsolète la nouvelle version. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une parenthèse, parce que je trouve ce choix super intéressant. On voit par exemple, sur tous les fans, pour tous ceux qui aiment l'histoire, que ce soit Diablo, Starcraft, surtout Warcraft, je vais en parler derrière, mais en fait
on est parti de la base, c'est-à-dire le premier volume, on a fait la suite, on a continué à diriger le bloc, etc., etc. Et à un moment donné, quand tu veux vraiment développer le background au maximum, eh bien en fait, ce que tu as mis en fondement au début peut devenir obsolète par rapport à l'étendue et l'immensité, l'ampleur que tu as donné au-dessus. Ce qui fait qu'on peut avoir des incohérences entre le début et la suite. Et c'est ce qui amène les retcons. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est justement le fait que tu reviennes sur ce que tu as déjà dit précédemment parce que, au final, tu n'avais pas mis une vue assez globale et à la suite, quand tu veux développer ton histoire, bah, tu détruis un petit peu ce qui avait été montré avant. Et pour dans n'importe quel univers, quand tu fais un jeu vidéo, un film, un roman, etc., il faut que ce que tu as, quand tu déploies les bases pour dire, regardez, il y a c'est ça, 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 ça. Et nous, on arrive en tant que spectateur, en tant que lecteur, etc., on arrive dans un univers, on fait, ok, je comprends, maintenant développe ton histoire. Sauf que si au milieu ou à la fin, bah, ça revient sur ce que tu as dit précédemment, et dans le mauvais sens, que ça met en porte-à-faux ce que tu as mis précédemment, ça, l'univers perd de cohérence. Et malheureusement, c'est pour ça que je parlais de Warcraft, c'est surtout sur Warcraft qu'on a vu beaucoup de retcons. Sur Starcraft et Diablo, il y en a eu, mais un peu moins, et c'est surtout sur Warcraft où il y a eu énormément de retcons, c'est-à-dire on revient sur ce qui a été fait avant, et on réaménage comme on veut, etc. Et au final, on revient sur ça aussi, et sur les correctifs, et ça fait des retouches. Et finalement, les fans du lore eux-mêmes se battent pour savoir ce qui est vraiment canonique ou pas. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que sur Overwatch, justement, ils ont cette expérience d'avoir vu la communauté gueuler, par exemple, sur des changements qui ont été faits, etc. Et du coup, sur Overwatch, ils partent sur la construction scénaristique, elle part différemment. Au lieu de partir de la base, elle part carrément sur l'arrivée où tu mets des points génériques de base, mais tu rentres pas trop dans le détail. Comme ça, si jamais tu veux développer plus tard, tu ne vas pas complètement revenir sur ce que tu as fait avant. Je trouve ça, en termes scénaristiques, tout simplement... C'est un chef-d'œuvre, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Parce que tu peux développer ton histoire sans complètement revenir en arrière. Et du coup, ils se sont dit, on n'est pas prêt pour sortir cette BD. Si on la sort maintenant, ce sera une bombe. Mais du coup, on pourrait revenir sur ce qu'on a fait avant et on est déjà en train d'explorer d'autres pistes scénaristiques qui pourraient rendre obsolète en fait ce qu'on met. Donc ils ont annulé le truc et l'ont reprogrammé en gros justement sur l'origine plus tard. Et je trouve ça super intéressant. Après pour nous en tant que fans de l'univers, c'est ultra frustrant parce qu'on aimerait ces réponses. Mais c'est mieux en fait pour la cohérence globale. Quand on sera dans 2-3 ans et que l'histoire de Overwatch sera beaucoup plus complète, je pense qu'on pourrait avoir même un des univers les plus cohérents que Blizzard ait jamais fait. Parce que justement on part du haut et pas du bas. Même si on a relayé quelques points importants du bas, tu peux réadapter ensuite, et ça je trouve ça super bien. Bon, il y a un moment donné tu pourras plus réadapter quand même, mais je trouve ça bien qu'il le fasse petit à petit comme ça, et je trouve ça très intéressant. C'est ultra frustrant pour nous en tant que fans de l'histoire, mais c'est super intéressant et tu te mets pas à dos la communauté en fait. Certes elle est teasée, donc elle est en mode ah, j'en veux, mais elle va pas gueuler sur des raisons de... enfin elle aura pas des raisons de gueuler, parce que pour Warcraft par exemple, les sorts qui étaient à la peau verte et qui deviennent peau marron, etc., bah t'as des raisons de gueuler concrètement. Pour ça t'as pas de raison de gueuler puisque c'est juste du teasing. Et on reste cohérent, et ça je trouve ça super intéressant. Et du coup pour finir là dessus, parce que c'est quand même une grosse parenthèse, pour finir là dessus, on avait les premiers aperçus de Liao peut-être. Justement le dernier membre fondateur, est-ce que c'était la femme, est-ce que c'était le robot, on n'en sait rien. Peut-être que c'était aucun des deux même aussi hein. Mais dans tous les cas là on a des questions, c'est Liao serait-elle une femme? Et du coup, Anna ne serait pas le seul membre féminin du groupe, ce qui serait bien aussi. Est-ce que c'est Liao, du coup, la scientifique? On voit qu'elle est assez scientifique, elle est derrière un omniaque. Est-ce que cet omniaque, c'est elle? Peut-être qu'elle serait comme Tobjorn, une des conceptrices à la base des omniaques, et qui veut se racheter en créant Overwatch pour mieux détruire les omniaques, parce que je rappelle que tous les gouvernements du monde ont échoué contre les omniums, hein, les fabriques, hein, je rappelle, de création d'omniaques. Et au final... c'est grâce à Tobjorn et peut-être probablement à Liao, qui était plutôt dans la catégorie chercheur scientifique, que justement on aurait cette piste, et en mode c'est peut-être aussi grâce à eux qui connaissaient de l'intérieur les omniaques et qui ont pu les neutraliser en fait, hein, neutraliser les omniums et pacifier les omniaques, que ce soit par les armes ou derrière en leur disant bah, regardez, on peut vivre ensemble en fait, tout simplement. Et est-ce que Liao ne serait même peut-être pas le number one, ou en tout cas un des premiers omniaques créés?
et qui aurait une conscience supérieure, un petit peu comme Mandata et les différents omniacs justement, comme Zenyatta, etc., qui sont devenus des rebelles en fait, des omniacs, et qui ont choisi de vivre avec les humains, et qui ont en gros montré aux yeux du monde que oui, l'entente omniac humaine est possible, et qui a du coup pacifié des milliers d'omniacs qui ont dit bah oui, on va choisir la voie de la paix, etc., nous aussi on a souffert. Je rappelle que c'est des êtres intelligents. Ce n'est pas des êtres organiques, mais les omniacs sont des êtres intelligents. Du coup, l'IAO est peut-être un omniac et serait l'un des premiers des omniacs. C'est possible aussi, c'est une théorie. C'est possible aussi. Bien sûr, là-dessus, rien n'est dit. C'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, on verra plus tard. Mais en attendant, il y a des questions, des nouvelles questions qui restent posées, bien entendu. À Noël, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et quand cette BD est sortie, ça a été une nouvelle petite bombe dans l'histoire d'Overwatch. Pas autant que, bien sûr, la sortie de Sombra. Mais au niveau des avancées du lore, ça a été, il y a énormément de choses. Et surtout, en fait, par rapport à Sombra, par exemple, bah du coup, il y a certains protagonistes qui, bien sûr, étaient mis en avant. Zarya, la Russie, on voyait bien sûr Fatal, le Faucheur, et on voit les grands protagonistes, Overwatch, etc. Mais il y a des persos qui sont laissés pour compte. Concrètement, quand vous êtes un fan de Lucio et que vous voyez que, bon, bah oui, la Russie, il se passe des trucs et tout, ça vous touche pas personnellement. Concrètement, vous êtes en mode, bon, ouais, ok, c'est bien, on voit l'histoire, mais moi, mon personnage phare, je vois pas d'avancée en fait dans ce que je connais déjà de lui. Et à Noël, justement, cette BD qui est sortie, Réflexion, est super intéressante puisque elle a jeté plein de petits trucs qui pourraient servir par la suite pour l'avancée du lore. C'est pas une énorme bombe comme a été la sortie de Tracer, mais la sortie de Sombra, pardon. Mais c'est plein de petits questionnements qu'ils vont avoir. Et justement, dans cette BD, bon, bien sûr, ça on s'en fout, hein. Je veux dire, au niveau du lore, ça change pas grand chose. Si, c'est du détail pour le personnage de Tracer, mais bon, bien sûr, il y avait son homosexualité qui était révélée. Mais surtout, il y avait plein, notamment cette page qui montre plein de choses autour des autres agents ou futurs agents d'Overwatch, puisque la BD était quand même tournée autour de Tracer et de Winston. Mais on voyait les deux, je rappelle, nouveaux chefs d'Overwatch, de la Overwatch 2.0. Mais du coup, à cet endroit-là précis, on voit ce qui se passe par-delà le globe et voir un petit peu ce que deviennent les personnages. Et tout en haut, on en a parlé dans l'histoire de Genji, bien entendu, mais Genji et Zenyatta, donc dans les sommets de l'Himalaya, donc en train de méditer, etc. On voit aussi Genji qui écrit à Anna tout en bas, ce qui est vachement intéressant aussi. Angela Ziegler, hein, merci, tout en bas à droite. Angela Ziegler, je vous rappelle d'aller revoir Recall si vous voulez voir à peu près dans les endroits dans lesquels sont les différents protagonistes. C'est super intéressant aussi pour savoir où ils sont. Et en l'occurrence, Mercy est au Moyen-Orient, où justement il y a probablement une crise, et elle s'en occupe. Et du coup, elle est, et c'est pour ça aussi qu'on la voit dans un contexte très très lumineux, parce qu'elle est probablement encore au Moyen-Orient, où il y a une crise à gérer, et on le rappelle, Mercy, c'est le médecin sans frontières, hein, c'est le médecin qui va soigner tout le monde, n'importe où, n'importe qui, et du coup, elle est justement dans un endroit assez désertique. On a, bon, Rodog et Rodog et Chacal, c'est limite le moins intéressant. On a, très intéressant aussi, c'est Farah, bon, c'est du détail pour les personnages, mais Farah avec un homme canadien qui pourrait être son père, ce qui expliquerait du coup le skin canadien, amérindien de Farah, justement, qu'on comprenait pas trop, ce qui expliquerait du coup ses origines canadiennes. Son père serait peut-être canadien et aurait peut-être même servi dans Overwatch par le passé. C'est comme ça qu'il serait connu avec Anna, c'est possible. On a à côté de ça Tobjorn et Reinhardt, probablement en Allemagne, mais peut-être en Suède aussi, qui fête Noël. On a d'ailleurs Brigitte, qu'on voit juste à côté de Reinhardt. C'est peut-être, comme elle est le présente, c'est peut-être sa fille. On n'a pas d'infos, peut-être que c'est sa fille. En tout cas, elle est très connectée avec Tobjorn et Reinhardt. On a Soldat 76 et Anna à la nécropole, justement la nouvelle map, hein, je rappelle d'Overwatch, une des nouvelles maps d'Overwatch, c'est la nécropole, l'endroit, le quartier général où justement est basée Anna, et du coup Soldat 76 la rejoint depuis et ils opèrent tous les deux, très intéressant, et on viendra par la suite, mais Soldat 76 tient une ancienne photo de lui et d'un individu. On en parlera après, mais ça c'est aussi une petite bombe qui est larguée. Peut-être un ancien membre important d'Overwatch. Est-ce que ce serait l'IAO, l'un des membres fondateurs d'Overwatch? Pas d'infos là-dessus. On a à côté de ça Faucheur juste en dessous qui regarde une famille sous la pluie. Gabriel Reyes, le grand méchant, celui qu'on a considéré comme le grand méchant pendant longtemps d'Overwatch, qui est en train de regarder une famille. Une famille d'origine mexicaine, visiblement, ils ont quand même le teint assez mat. Gabriel Reyes aurait-il une famille?
Serait-il pas si méchant que ça? Aurait-il peut-être un but? C'est quand même hallucinant, les deux grands méchants qu'on nous a vendus dans l'histoire d'Overwatch. On voit Fatal, Amélie Lacroix, tout en bas, sur la tombe de son mari. Elle est censée avoir été reprogrammée au niveau de son cerveau et du coup ne plus avoir aucune conscience. Et elle a tué son propre mari qu'elle aimait. Et elle est sur la tombe de son mari et elle met une fleur, comme si elle avait des regrets. Et Gabriel Reyes à côté d'une famille. Genre, c'est une hyper bombe en fait qui est larguée. Et je rappelle qu'Overwatch, c'est le recall, etc., des futurs agents d'Overwatch. Il y a les anciens et il y a les nouveaux. Et du coup, est-ce que, peut-être plus tard, j'en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo concernant D.Va et même concernant le recall, est-ce qu'on n'aurait pas tous ces personnages-là qui rejoindraient plus tard Overwatch, au final? Et que peut-être que Gabriel Reyes, Fatal, Sombra, pourrait devenir par exemple des futurs membres d'Overwatch, mais qui sont un peu les Dark Sasuke, les Dark qui rejoignent le côté lumineux en gros, les Sith qui reviennent ouais, du côté lumineux, un petit peu ceux qui ont combattu le mal par le mal, mais qui finalement combattent pour le bien. Ça pourrait être une question. On voit aussi Makri avec Sombra, encore une fois, ça on le verra dans une des nouvelles cartes, c'est à Dorado. Donc au Mexique, le bar c'est... J'ai oublié le nom du bar, mais c'est pas très grave. Mais du coup, Makri, qui au final est pas très loin de son bras, Makri, on sait que c'est un ancien agent de Black Watch, est-ce qu'il est en surveillance? Est-ce qu'il est là pour justement peut-être appréhender son bras? En tout cas, on sait que si son bras va avoir un lien avec Overwatch, peut-être que ça viendra de Makri. On sait aussi que l'ancien gang de Makri, il est toujours en train d'agir au niveau de la route 66, etc. Donc Makri, est-ce qu'il a rejoint enfin Overwatch 2.0? Est-ce qu'il est toujours en mode aventurier? Il commence à y avoir ces petites connexions entre les persos. Sombra Makri, Anna Soldat 76 Faucheur, bien entendu. Il y a ces petites connexions et ces petits relais où on va voir justement l'avancée du lore. On voit Hanzo aussi. Hanzo avec un petit garçon. Est-ce que c'est un fils? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est son fils? Est-ce que c'est l'un des héritiers du clan Shimada? Est-ce que c'est juste un random et on se pose trop de questions? C'est possible, mais c'est très étonnant, très étonnant. On le voit justement avec un garçon. Et du coup, il y a plein de questions qui se lâchent comme ça. C'est pas forcément des grosses avancées de lore, et pourtant, je pense que c'est plein de détails qui auront de l'importance par la suite. Et là-dessus, je pourrais parier une main, peut-être que je la perdrais du coup, mais je pense vraiment que c'est des avancées, c'est des petits détails, mais qui auront beaucoup d'importance par la suite, je pense. Peu de temps après, enfin après Noël quand même, plus de temps finalement que ça, parce que c'est au mois de mars sort la bande dessinée, la 11e bande dessinée, la 10e était justement sur Noël, et la 11e c'est sur Bastion. C'est vrai que depuis la Gamescom, depuis son court métrage, on se dit bon, ok, Overwatch, quel est le lien, quelle est la connexion entre lui et Overwatch au final? Bastion va-t-il rejoindre... Parce qu'au final, le nom du jeu, c'est quand même Overwatch, et c'est les héros, en gros. Donc, tous les personnages jouables, est-ce que ce sont tous, au final, des personnages qui vont combattre pour le bien, même si pendant un moment, ils sont les uns contre les autres? Est-ce que certains, c'est juste parce que des anciens ou qui ont des connexions avec Overwatch? Il y a plein de questions comme ça. Et au final, Bastion va avoir justement une nouvelle réponse dans cette bande dessinée. Comment va-t-il pouvoir revenir dans le nouveau monde? Comment va-t-il être accueilli par la population? C'est quand même une ancienne machine meurtrière qui est une espèce de Terminator, en fait. Hein. Bastion, faut imaginer ça comme Terminator hein, dans l'univers d'Overwatch. Va-t-il être accueilli? Eh bien, on a justement pas mal de réponses, puisqu'on voit Thorbjorn qui va au final traquer, comme on l'a vu dans la BD précédemment, Thorbjorn, il veut justement traquer tous les anciens Zomniac qui sont malveillants, et quand il a appris l'histoire d'un Bastion qui serait peut-être l'un des derniers justement, et qui rôderait en Allemagne, eh bien il y va près de la région d'Anckenwalde, et il va justement découvrir notre cher Bastion, et il va se rendre compte que le Bastion s'est auto-reprogrammé et au final est pacifiste. Et du coup, Thorbjorn finalement va demander à Bastion de l'accompagner et ils vont commencer à voyager ensemble. Le thème du voyage est souvent d'ailleurs prédominant dans Overwatch. On a l'initiation de Genji, Zenyatta qui font des voyages et des rites initiatiques, Bastion qui voyage du coup avec... C'est très intéressant aussi à ce niveau-là. Petite parenthèse pour Eikenwald 2, j'aurais dû en parler plus sur la Gamescom, mais ça m'est sorti de l'esprit. Pour Eikenwald 2, beaucoup de choses aussi, beaucoup d'importance avec la nouvelle map Eikenwald 2. On a eu beaucoup de
de vision justement sur l'Allemagne avec ça, j'en ai parlé avec justement le flashback, mais également avec du coup rien que la map en fait. Quand vous jouez sur la map, il y a des nouvelles lignes de dialogue qui arrivent, et par exemple Diva qui parle, qui fait que bah, Eckenwald 2 c'est des ruines, et elle dit ça me rappelle la Corée. Ça c'est une bombe aussi, c'est une mini bombe qui est larguée, et du coup on sait un peu après à quoi ressemble la Corée à l'heure actuelle, plein de petits trucs comme ça, et notamment aussi qu'elle était le maître de Reinhardt, puisque c'est pas moins que justement l'exo-armure qu'on voit dans le château d'Eckenwald 2, c'était tout simplement le chef militaire allemand qui est mort pendant l'assaut des Omniacs contre la ville d'Eckenwald 2 et des alentours. Je crois que c'est Stuttgart, la ville qui est juste à côté. Et du coup, pour la protection de Stuttgart, en gros, ils ont défendu Eckenwald 2 pour attaquer les Omniacs et les prendre de court. Et au final, eh bien, il est mort. Et c'était justement l'un des patron en fait de Reinhardt. Donc c'est super intéressant au niveau de l'histoire que ça amène entre Thorbjörn, Reinhardt et Bastion, qui rôde à peu près autour de l'Allemagne du coup, hein, c'est important. Il a fêté Noël, donc probablement en Allemagne, puisque derrière Thorbjörn est dans le coin et va s'occuper du Bastion. Donc vous voyez, il y a plein de petits points d'intrigue avec ces trois-là qui sont là-bas, ces trois-là qui sont là, ces deux-là qui sont là, ces deux-là, etc. Et du coup, peut-être que quand tout le monde va se réunifier, bah, ils arriveront avec Bastion, Thorbjörn et Reinhardt avec Bastion, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. On a ensuite, peu de temps après, on a eu, bien sûr, au mois de mars, l'annonce Défi Oladélé. Défi Oladel ou Oladélé. La petite prodige de Numbani. Numbani, on savait qu'il allait avoir un arc historique, un arc narratif très important autour de Numbani. La map, quand elle était sortie, il y avait beaucoup trop de choses. Rien que dans l'histoire, Numbani, on en reparlera, on fera une vidéo spéciale là-dessus, mais à un moment donné, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur Numbani. C'est une ville où les Omniacs et les humains vivent en paix. C'est une des rares villes où il y a ça. Regardez l'Angleterre, où les Omniacs et les Omniacs et les humains se foutent sur la tronche tout le temps. Numbani est un de ces havres de paix, un de ces joyaux du futur, un petit peu comme l'Afrique du Sud. Hein. Il y a aussi des grosses thématiques quand je vous dis dans les autres vidéos qu'il y a beaucoup de liens avec notre monde d'aujourd'hui, où l'Afrique du Sud, c'était justement l'arc-en-ciel, la nation qui pourrait vaincre le racisme et justement montrer que tout le monde peut vivre ensemble. Numbani, c'est un petit peu l'Afrique du Sud hein, d'Overwatch. Et du coup, justement, cette petite prodige, Effie, on a son histoire. Donc on se dit, est-ce que ce serait le nouveau personnage d'Overwatch? On sait qu'il y a un nouveau perso qui arrive. Beaucoup de monde se dit Doomfist. On sait qu'il y a des petits trucs qui arrivent autour de Numbani. Et au final, on voit qu'Effie Oladel, justement, est annoncée. Et au final, on dit, ah, c'est elle et tout. Et on se dit, non, pas une gamine, ce serait impossible. Une gamine qui est en train de se foutre sur la tronche avec d'autres héros, ce serait compliqué. Et au final, on découvre en fait que c'est une petite prodige et une pro de la robotique, et elle va justement reconfigurer donc des OR-15. On va voir, je vais vous laisser la vidéo pour justement voir un petit peu cette histoire, mais un nouveau perso débarque, Orisa, que Effie justement a reprogrammé, et elle crée tout simplement un nouvel Omniac doué de conscience, doué d'intelligence et doué, surtout l'une de ses valeurs principales, c'est la protection et l'amour. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un nouveau perso, et on voit encore un petit peu les connexions avec les Omniacs, entre humains et Omniacs. Et surtout, ça tease un perso qui a déjà été annoncé avant, Point d'Enfer. Non, je rigole pas du tout, ne l'appelez pas comme ça. Doomfist, qui avait déjà été évoqué dans la première vidéo et qui, dans l'histoire des filles Oladel et d'Orisa, est très important, puisque Doomfist semble être pas très très senti, on en reparlera bien sûr après, mais du coup a détruit plusieurs ER-15, plusieurs robots de protection, et du coup elle a tout simplement, cette petite fille a créé un Omniac avec une conscience. Parce qu'à la base c'était juste des robots, les ER-15, reprogrammés pour protéger, contrairement à des Omniacs qui sont doués de conscience. Elle a reprogrammé, elle a réussi à créer un Omniac, la petite. Et on va pouvoir voir justement la vidéo consacrée à notre cher Orisa, le dernier perso en date, en tout cas, de Overwatch. Le monde est un endroit effrayant. Même ici, à Numbani, nous avions besoin qu'on nous protège. Des robots de défense OR-15 ont été déployés. Basés sur les modèles IDINA utilisés pendant la crise, ils ont été modernisés et ont assuré notre protection pendant un temps. J'étais à l'aéroport quand Doomfist a attaqué. Les pauvres robots, il ne leur a laissé aucune chance. Tout le monde les a abandonnés, mais moi, je savais que vous valiez mieux que ça. Alors je t'ai réparé, j'ai amélioré tes programmes et je t'ai donné un cœur. Nouveau module de personnalité installé. Réinitialisation du système. OR-15
en ligne. Non, ça ne va pas. Les grands héros ont besoin d'un vrai nom. Que dirais-tu de Orisa? Je t'ai conçue forte et courageuse. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et parfois, tu feras des bêtises. Mais je sais qu'un jour, tu seras le héros dont nous avons besoin. Je m'appelle Orisa. Je vous protégerai. C'est ma fonction première. Voilà, donc Orisa, le nouveau perso d'Overwatch, c'est l'arc de Numbani qui commence, bien entendu, puisque Numbani, il y a beaucoup de choses qui vont s'y passer. On voit du coup Doomfist, qui une nouvelle fois est évoqué, qui apparemment a détruit les OR-15 à l'aéroport dans lequel Effie Oladel devait se rendre. Et du coup, elle a passé son temps à justement reprogrammer le robot et en créer une nouvelle conscience, donc un nouvel Omniac. Et on voit le côté vraiment enfantin. Enfin, Orisa, c'est un bébé Omniac. Elle découvre le monde un petit peu comme Bastion le redécouvre. Elle, vraiment, là on la voit, genre elle protège une mamie en détruisant les voitures et tout, en mode, il faut absolument protéger. Enfin, elle découvre vraiment la vie et elle fait son passage d'apprentissage, vraiment. Alors que c'est une gamine qui l'a conçu. Je trouve le parallèle super intéressant. Parce que, enfin ouais, c'est génial. En gros, c'est comme si elle s'était créée une petite sœur, en fait, hein, Effie. Mais du coup, on a justement cette nouveauté. Et avant même de pouvoir continuer l'arc de Numbani, il y a un nouvel arc qui repart. Ça a été assez fou, hein. La fin d'année d'Overwatch a été assez folle. Mais en même temps, c'est ça encore, hein. Plein de petits arcs narratifs qui sont là à droite à gauche et on les reprend, on les laisse, on vient sur celui-là, on refait. C'est comme un roman, plein de romans justement partent sur plusieurs protagonistes et du coup on va sur eux, on avance un peu, chapitre plus tard, on va sur eux, on avance un peu, hop, et on retourne sur les autres. Du coup là l'arc Numbani commence enfin, il avait été tease pendant quasiment un an avec justement la map qui montrait des choses et on reviendra sur Doomfist bien entendu, mais c'est très intéressant et du coup l'arc Numbani vient de s'ouvrir et se referme et d'un coup, bim, on nous largue une nouvelle bombe, un événement d'Overwatch avant même les 1 an d'Overwatch qui est un petit peu aussi, on fête, c'est un an, même si c'est pas encore le on va dire l'événement d'anniversaire, Insurrection qui sort et ça c'est super important parce qu'au niveau avancé de l'histoire, c'est probablement le chapitre qui a été le plus convaincant. Il nous a, je le rappelle, mais Overwatch est passé par plusieurs étapes. Création d'Overwatch pendant la guerre des Omniums. Bien sûr, je vous laisse aller voir la vidéo, hein, sur la création d'Overwatch, mais on voit justement cette période-là où c'était qu'une escouade, hein, ils n'étaient que 6 à la base. On voit le Overwatch 2.0 dans lequel l'histoire recommence, et l'histoire commence même. On a justement avec la nouveauté, Winston, le Recall, etc., etc., et le nouveau perso, Lucio, D.Va, deviendront-ils des futurs membres d'Overwatch? Ça, c'est le point d'arrivée. On a le point de départ, où on connaît ce qui s'est passé, le point d'arrivée. Entre là et là, on a des petits souvenirs, mais, enfin, on a des petites infos, mais c'est tout. On n'avait pas plus. Donc, pendant l'âge d'or d'Overwatch, quand Overwatch est devenu, justement, on le voyait dans la vidéo du musée, le phare de l'humanité dans la reconstruction du monde après cette espèce de troisième guerre mondiale, peu d'informations. On sait que Tracer, Genji, Ange, Winston ont fait partie de cet Overwatch, mais sans plus de détails. Ensuite, on a la fin d'Overwatch. On sait que Overwatch, il y a eu des scandales, des crises, etc. Mais ça reste assez flou, mais on a les grandes lignes qui font que Overwatch s'est attiré une mauvaise opinion justement de l'opinion publique. C'est attiré une mauvaise presse de l'opinion publique. Qui a eu aussi une espèce de... On avait déjà commencé à parler de conspiration qui ont fait qu'Overwatch est devenue une organisation quasiment criminelle, quasi criminelle alors qu'elle était censée combattre le crime, et du coup elle est complètement dissoute par le Petras Act. Et ça c'est super important parce qu'on avait peu de détails jusque là aussi de cette période, et ensuite on est dans l'illégalité, et derrière il y a la période avec le recall. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup la période de fin de l'âge d'or d'Overwatch et le début de la ruine, en gros, eh bien Insurrection arrive en plein dans ce moment là donc Blackwatch, présence de Blackwatch avec Gabriel Reyes qui était le patron du Blackwatch, avec des agents opérationnels de Blackwatch. Gabriel Reyes donc d'un côté, et ensuite Morrison et Amari, donc les deux, on va dire, commandants d'Overwatch, avec du coup les agents eux qui étaient d'Overwatch et pas de Blackwatch. Donc on voit Tracer qui arrive, Tracer et sa première mission qui en plus
pas rien. Et bien sûr, Insurrection, on en reparlera plus longuement dans une vidéo consacrée à Tracer, parce que c'est vraiment un arc très important. Mais au niveau de l'avancée de l'histoire, par exemple, il y a eu plein de skins. Moi, par exemple, j'ai vraiment craqué l'argent de poche, hein, pour pouvoir m'acheter plein de skins, parce que c'est que des skins en rapport avec l'histoire. La Tracer, la Ange, avec leur tenue à l'époque d'Overwatch. On voit également la tenue Blackwatch de Genji, et ça, pour l'avancée de Genji dans l'histoire, c'est super important. On savait qu'il avait fait partie d'Overwatch, mais on s'était toujours dit Overwatch normal, pas Blackwatch, puisqu'on l'avait toujours vu avec son armure blanche, etc., normal. Et là, au final, on le voit avec une espèce de proto-armure dans Blackwatch. Et du coup, c'est un des agents membres de Gabriel Reyes, enfin, avec Macri, du coup, qu'on voit en Blackwatch, dans sa tenue Blackwatch. C'est super important, en fait. Au niveau du lore, c'est l'une des plus grosses mines d'or que Blizzard nous ait données, en fait. Et c'est super intéressant. On voit aussi comment les Omniacs se comportent, parce qu'on sait que les Omniacs se sont rebellés contre l'humanité. On a débouché à une troisième guerre mondiale, en gros, hein, la crise des Omniums. Mais faut vraiment dire c'est la troisième guerre mondiale, quoi. Où ils se sont rebellés. Et à la fin, on sait qu'il commence à y avoir une espèce de conflit entre les populations humaines et les populations omniaques. Mais qu'au final, la plupart veulent vivre ensemble, mais qu'il y a du racisme de part et d'autre. Et là, justement, on sait qu'il y a des extrémistes du côté humain, Junkrat et Herodog, ne l'oublions pas, hein, Chacal et Herodog, avec justement la destruction de l'Omnium d'Australie, qui a complètement créé une espèce de No Man's Land, hein, tout simplement, en Australie, au milieu de l'Australie. C'est du Mad Max, hein, c'est vraiment du Mad Max en Australie, ce qui se passe. Et eh bien là, on voit les extrémistes omniaques qui, du coup, un petit peu comme il se passe en Russie, qui s'attaquent à l'humanité et aux Anglais, en l'occurrence, puisque c'est à King's Row, donc c'est en Angleterre. Et du coup, on voit la première mission de Tracer. Il y a plein de petites lignes de dialogue qui sont mises. On apprend que Petras, qui est celui qui a fermé Overwatch, l'organisation Overwatch, je rappelle, le Petras Act, hein, c'est la loi Petras, en gros, qui a mis fin aux agissements d'Overwatch et qui a rendu illégal tous les agissements des membres d'Overwatch. Bien, ce mec-là, en fait, faisait partie peut-être d'Overwatch également, était un des membres importants de l'ONU, etc. Donc c'est super intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de lignes. On y attaquera vraiment dans une vidéo consacrée à Tracer, que je vais préparer, mais qui justement mettra beaucoup, beaucoup de points sur l'insurrection, parce que c'est très important pour Tracer. Bien sûr, c'est quand même l'égérie d'Overwatch, hein, c'est la mascotte d'Overwatch, hein, Tracer. Et du coup, l'insurrection, c'est carrément dans son pays natal, donc c'est une mission qui tient très à cœur à Tracer. En plus, c'est sa première mission au sein d'Overwatch. Et le dernier événement en date, pour l'anniversaire d'Overwatch, il y a eu tous ces nouveaux skins, etc. Soldat 76 en mode cyborg et tout, c'est super cool. On a eu également Hanzo, d'ailleurs en tenue ninja un peu plus, et on voit un peu plus à quoi pouvait ressembler peut-être Hanzo à une certaine époque. Mais à côté de ça, on a surtout, donc c'est tout neuf, tout frais, ça vient de sortir, c'est la nouvelle map d'Overwatch. Il y avait bien sûr les trois dernières étaient celles, une d'Ekenwalde, une de Dorado, donc au Mexique, et l'autre près du temple d'Anubis, hein, la nécropole où on voyait le quartier général d'Anna. Eh bien, la dernière map maintenant, c'est New Horizon, donc Horizon, la colonie lunaire d'Horizon, là où Winston a grandi, avec pas mal d'avance et aussi des nouvelles points. On a aussi Jeff Kaplan, le directeur d'Overwatch, qui annonce que Doomfist est dans ses dernières lignes. Il arrive, ça y est, on est en train de régler c'est les derniers réglages qui sont en train de s'opérer. Doomfist arrive. Donc ça, c'est super intéressant, parce que voilà, on a toutes ces avancées, notamment au niveau de la colonie d'Horizon. Justement, est-ce qu'il devrait y avoir pas mal d'informations? On sait que Winston, à la base, je le rappelle, avant d'être le nom du singe, c'était le nom du chercheur, celui qui tient la main d'ailleurs du petit Winston. Et du coup, Winston, c'est à la fois le chercheur et à la fois le petit gorille. Et Winston a été tué. Et justement, le petit Winston, lui, il a ensuite regagné la Terre. Et du coup, on sait qu'il y avait d'autres gorilles, on apprend un peu plus là-dessus, qu'il y a des gorilles, du coup, qui sont restés sur la Lune et qui se sont rebellés contre les humains et qui ont potentiellement tué les êtres humains. Donc ça, c'est quand même assez aussi impressionnant. Donc ça, c'est un nouveau point qui avait été laissé pour mort quasiment depuis Recall avec Winston. On n'avait pas eu d'avancée sur son histoire personnelle depuis là. Et là, directement, bim, hop, on t'annonce ça.
super intéressant. J'ai pas écouté, j'ai pas encore eu tout le retour parce qu'il faut aussi faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches pour ça. Mais à mon avis, toutes les voice lines, tous les dialogues qu'il peut y avoir entre Winston par exemple et d'autres personnages sur la base lunaire doivent être super intéressants et peuvent lâcher, à mon avis, des petites bombes scénaristiques aussi, des petits axes de réflexion pour la suite. Mais voilà, à la fin, au bout d'un an d'Overwatch, on y est. La nouvelle map qui arrive et on sent justement un petit peu, je trouve que c'est un très bel appel parce que t'es à un an d'Overwatch et la map qui sort c'est une map justement vers la lune et c'est un petit peu, souvent Blizzard manie bien ce genre de communication et ça montre un petit peu dans quelle direction on veut faire aller le scénario d'Overwatch. Et on vous a fait quelque chose de très sympa, c'est la, pour la deuxième année on va aller plus loin, on va aller plus loin et ça peut être une des avancées et honnêtement il y a encore beaucoup de choses à faire. Et maintenant on va attaquer la partie un peu plus hypothétique et théorique pour ce qui va arriver pour la deuxième année d'Overwatch. Il y a déjà eu des leaks qui avaient été annoncés, des leaks justement, alors c'était vers le mars, en gros le mois de mars, un peu avant, maintenant c'était même pas mars, puisque c'était avant le festival lunaire, donc avant le nouvel an chinois, il y avait justement des informations qui étaient mises, c'était peu de temps après le nouveau, donc vraiment début de l'année 2017, où on avait des informations sur, je rappelle, il y avait une map aussi qui était sortie, c'était l'Antarctique, avec après la BlizzCon, ils avaient justement parlé d'Oasis et de l'Antarctique, les deux maps qui ont eu lieu. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais au niveau lore, bon, pour l'Oasis, c'est pas incroyable. On voit que c'est, oui, bon, bien sûr, dans la péninsule arabique, etc. Ok, c'est super. On voit que les Omniacs, bon, il y a quand même une certaine vie en communauté avec les êtres humains, mais il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, pour l'Antarctique, et c'est là où justement je voulais un peu plus en parler, c'est que May, on sait qu'elle a travaillé en Antarctique très longuement. Et pendant Recall, alors ne confondez pas l'Arctique et l'Antarctique, mais on a sur la vidéo Recall, Reinhardt, qui se trouvait pendant la vidéo Recall, il ne se trouvait pas en Allemagne. Après la BD, on l'a vu justement, du coup, il était en Allemagne. Mais sur la vidéo Recall, il se trouve au Groenland, il se trouve en Arctique. Et on sait que du coup Overwatch, en plus d'être une organisation militaire, etc., c'était aussi une organisation de recherche, c'était vraiment le phare de l'humanité. Et du coup, il y avait des opérations scientifiques qui étaient mises un petit peu aux quatre coins du globe, notamment en Arctique et en Antarctique. Et May s'occupait justement de cette base, puisque c'est une météorologiste à la base, donc elle s'occupe des changements du climat, etc. Et donc c'est une expert climatique, tout simplement. Et du coup, dans cette base, eh bien, elle a résidé. On connaît un petit peu l'histoire de May. On sait qu'elle était avec toute une équipe, et c'est la seule rescapée, justement. Il y a eu des problèmes techniques, et tout le monde est mort, sauf elle. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans ce leak, on apprend du coup, et on voit que le leak tient quand même un petit peu la route, puisque il y avait l'annonce du festival lunaire, enfin en gros du nouvel an chinois qui était fêté. Il y a plusieurs lignes comme ça avec l'annonce aussi d'Orisa. On voit Ancora, c'était le nom de code d'Orisa à la sortie, etc. Et pendant très longtemps, on s'est dit, ah d'accord, ok, donc ça serait une sorte d'Omniac avec plusieurs jambes. On imaginait une araignée, etc. Parce qu'on verra, mais il y avait des photos d'araignées justement aussi. Donc il y a quand même deux choses ultra solides. La sortie d'Ancora qui devient Orisa et le festival lunaire qui a été bien là. Donc c'est quand même des sources importantes. Et à côté de ça, donc, au milieu, était annoncée l'Origin Story, donc la BD consacrée à May. Voir quand elle se réveille, comment ça se passe, etc. Donc c'est pas une énorme avancée dans le lore, mais ça peut être quand même des choses intéressantes par rapport à l'histoire de cette petite chinoise May, qui est vachement intéressante quand même, parce qu'elle a fait partie de c'est une ancienne agence d'Overwatch qui a fait partie de l'époque dorée d'Overwatch, le Golden Age. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et à côté de ça, des lignes aussi supplémentaires sur Doomfist. On sait que ce sera un homme noir, et ce qui est vachement important, parce que Doomfist aurait pu être un robot également, il aurait pu être un Omniac, et au final ce n'est pas on a l'annonce, peut-être que ce sera comme Genji, peut-être enfin pas un hybride, mais peut-être un cyborg, on verra. Mais en attendant, en plus il y a les rumeurs comme quoi Terry Crews, un des acteurs américains qui est plutôt baraque, a été vu sur le campus justement de Blizzard à Los Angeles et aurait doublé un personnage. Donc on se demande si Doomfist justement serait pas le personnage que Terry Crews aurait doublé. Et là c'est super intéressant parce que on a justement donc ce leak avec l'histoire, donc on sait que dans les prochaines BD il y aura probablement justement une BD consacrée à May. Donc ça c'est super intéressant pour la suite qui va arriver. Bien sûr,
la conspiration qui avait été soulevée à la BlizzCon, beaucoup d'importance. Et je vais revenir notamment sur, bon, alors bien sûr, l'avancée avec l'organisation secrète, la griffe, Faucheur et Widowmaker, hein, Faucheur et Fatal, quelles vont être leur suite, quel va être leur déroulement. Il y a le clan Shimada, il y a l'événement en Russie, il y a Numbani, le Mexique également. Il y a plein d'endroits où il y a une évolution du lore. Et bien sûr, l'arc Numbani, qui a été quand même pas mal enfoncé, qui a été pas mal teasé, qui a eu la sortie d'Orisa, le prochain perso, c'est quasiment certain, à 99%, ça serait Doomfist. Et si c'est pas le prochain, ce serait celui d'après. Doomfist, c'est certain, il va sortir. Par contre, c'est quand ? La vraie question, c'est quand ? Et en l'occurrence, Doomfist, c'est très intéressant. Je vais pas aller dans le détail sur Doomfist. Je vous conseille, je mettrai dans la description de la vidéo YouTube la vidéo vers AlphaCast. Je redirigerai vers AlphaCast qui a fait une super vidéo concernant Doomfist. Puisque Doomfist, c'est trois personnages en fait. Il y a le sauveur, vous le voyez, hein, c'est tout simplement le tout premier Doomfist qui, au niveau, c'est pas écrit, c'est pas gravé dans la roche, mais probablement en tout cas, Doomfist a été le premier, on va dire, sauveur. Quand il porte son nom sauveur, c'est probablement pendant la crise des Omniums, il a probablement réussi à sauver Numbani et a mis fin à la guerre un petit peu entre les Omniacs et les humains, en tout cas dans cette partie de l'Afrique. Et il a rebâti en gros la nouvelle civilisation et le Numbani actuel en gros. Donc c'est vraiment, c'est un peu le George Washington de Numbani un petit peu, hein, le sauveur. On a derrière le Doomfist maléfique, le Doomfist méchant que l'on a vu dans la vidéo où justement il se serait battu avec Winston, etc., etc., qui s'appelle le Fléau du coup, son surnom, donc le sauveur, lui qui serait mort de vieillesse maintenant, ou peut-être pas, et le ou alors ce serait peut-être, on verra, mais je pense quand même qu'il doit être mort, peut-être. En attendant, il y a également le Fléau qui lui est le... Et celui qu'on connaît, celui qui a été vaincu par Overwatch à une certaine époque. Mais là où c'est super important, c'est il a été vaincu. Est-il mort ? Est-il capturé ? Ça, on sait pas. Sachant qu'il y a des nouvelles lignes de dialogue qui ont été mises. Faucheur, par exemple, parle du fait que quand il est sur Numbani, je crois, il évoque justement le fait que... Ce que je rappelle, sur l'événement de Numbani, le payload que vous devez accompagner, hein, le convoi, c'est pour récupérer le gant, le Doomfist, justement le gant de Doomfist. Donc on ne sait pas trop si c'est... Il est encore en vie, mais il y a de fortes chances qu'il soit encore en vie, puisque justement, Faucheur dit, Doomfist pourrait quand même faire le sale boulot lui-même. Puis c'est l'idée de récupérer son gant. Donc, le Fléau sera encore en vie. Il y a de fortes chances. Sachant que maintenant... On va pouvoir remettre la vidéo dans son contexte. La vidéo, rappel, a été faite avant l'attaque du musée. Donc l'attaque du musée, il y a Faucheur et Fatal qui essayent de s'emparer du gantelet. Ce qui expliquerait pourquoi il a été déplacé ensuite à Numbani, le gantelet, en gros, pour être un peu plus protégé, puisqu'il a failli être cambriolé. Donc c'est intéressant, puisque le Fléau pourrait être encore en vie. Enfin, pourrait être là, encore, pour récupérer son gant. Et rester le Doomfist. Mais à côté de ça, on a... On a justement une affiche avec le successeur. Et ça, je trouve ça hallucinant. Alors, encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo d'AlphaCast là-dessus parce qu'elle est super intéressante et très complète. Je vais pas aller dans le détail, mais ce qui est super intéressant et là où je vais peut-être aller pousser un peu plus loin la réflexion, c'est qu'il est possible qu'en fait, on sait que Blizzard aime bien justement au niveau communication, au niveau teasing, au niveau sortie de nouveaux héros, aime innover. On le voit sur Heroes, on le voit sur StarCraft au niveau des co-op, etc. On le voit sur Overwatch. Et du coup, ce qu'on n'a encore jamais fait dans Overwatch Blizzard, c'est la sortie d'un double héros en gros. Deux héros en même temps. Et ça pourrait être intéressant parce que Doomfist pourrait ne pas être un nouveau perso, mais deux nouveaux persos en fait. On pourrait avoir, peut-être qu'à la base, le Doomfist, c'est deux gants en fait. Et peut-être que, du coup, t'aurais le gant gauche et le gant droit. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le Fléau a le gant gauche. Peut-être que le successeur, lui, justement, a le gant droit. Mais on voit un successeur avec un langage Omniac en dessous. On est quasiment certain que le Fléau est encore présent, puisqu'il a attaqué, on le rappelle, des OR-15 à l'aéroport. C'est comme ça qu'a été créé Orisa. Donc ça m'étonnerait que le successeur, où on voit un côté bleu, un point et tout, ça fait super lumineux, ça fait super gentil. Ça m'étonnerait que c'est lui qui a attaqué les OR-15. Ou alors, il est bipolaire. Peut-être que ça fait partie du perso. Mais c'est possible qu'en fait, on ait deux Doomfist. Un Doomfist néfaste qui aurait rejoint la griffe et du coup qui serait un des méchants. Parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, hein, au final. Sombra, Fatal, Faucheur et la plupart des autres, en dehors de Junkrat et Rodog, la plupart des autres, c'est quand même des héros globalement gentils. Donc,
peut-être que justement ça serait un des nouveaux méchants d'Overwatch. Mais en fait, il pourrait y avoir un double héros et le successeur, justement, est-ce que ce ne serait pas Terry Crews qui jouerait justement le doublage ? À moins que Terry Crews joue un méchant, mais souvent Terry Crews c'est quand même un gentil gars. Donc, il y a plein de rumeurs là-dessus, ça pourrait être le nouveau héros. Ce qui est certain, c'est que l'Arknum Mani va bientôt reprendre avec la sortie de Doomfist. Il pourrait y avoir plein de nouveautés et ça pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, des dernières lignes qu'on connaît de Doomfist, il a quand même attaqué l'aéroport et détruit toutes les lignes de défense de l'aéroport. Alors sauf si c'est un coup monté, ce qui pourrait expliquer aussi la chose, et peut-être que le fléau est encore soit mort, soit à l'arrêt, et qui fait que peut-être que le successeur justement s'est fait avoir et est tombé dans un guet-apens, on va dire. C'était peut-être un coup monté. Mais sinon, c'est plutôt côté négatif du coup ce Doomfist. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt au niveau des prochains. On parlait de Terry Crews, bon, je trouvais un petit fanart justement qui le montre en successeur justement avec ces espèces de gantelets qui remontent beaucoup plus haut avec des appendices supplémentaires sur le gantelet. Et ça, c'est super intéressant. Après, pour la suite, pour les autres nouveaux héros, bien entendu, quelque chose que j'attends avec impatience, c'est les informations concernant Liao. Liao, c'est quand même un des membres fondateurs d'Overwatch, donc c'est un des personnages qui, dans l'histoire d'Overwatch, si Blizzard ne l'a toujours pas sorti, ne l'a toujours pas évoqué en détail, on va dire, c'est que ce personnage, au niveau historique, il a une importance capitale. Peut-être au niveau de la crise des Omniums, peut-être au niveau de la suite d'Overwatch, peut-être au niveau justement de la conspiration que Sombra avait montré. Enfin, il y a tellement de choses possibles autour de Liao. Liao est peut-être mort aussi, hein. Je rappelle que si vous allez vous renseigner sur l'histoire d'Overwatch, à la fin de la crise des Omniums, on considère qu'il y a eu des sacrifices énormes. Et pourtant, on voit que les 5 sont encore en vie, et à l'époque, les squads étaient assez réduites. On sait qu'il y en a 6, il y en avait peut-être des agents opérationnels à côté. Mais bon, au prix d'immenses sacrifices, concrètement, les immenses sacrifices, oui, il y a peut-être eu des pertes civiles, etc., militaires, des gouvernements qui aidaient Overwatch. Mais on n'a pas de perte en tout cas dans les squads d'Overwatch, donc peut-être que Liao est mort tout simplement, ou morte, c'est peut-être aussi une fille. Donc je rappelle que la bande dessinée a été annulée, donc il y a peut-être des changements aussi au niveau de l'évolution du personnage de Liao. C'était peut-être une fille, c'était peut-être un mec, c'était peut-être l'Omniac. D'ailleurs, au passage, pour revenir sur l'Omniac que vous voyez et qui pourrait être Liao également, on a dans la conspiration. Alors là, c'est vrai qu'il y a le numéro, donc on le voit pas bien, mais je vous laisse aller voir les histoires concernant, bah, même dans cette vidéo, tout à l'heure je l'ai montré, mais tout en haut, au-dessus de l'iris justement de l'œil, on voit un Omniac qui ressemble beaucoup justement à celui-ci, et c'est très intéressant parce que, bon, il y a juste ces espèces de marques noires qui apparaissent ensuite, mais on sait que ça a été retravaillé et peut-être qu'au niveau du physique des personnages, ça va être modifié. C'est le genre d'histoire qui est semi-canonique. On sait que ça a été l'un des fragments de base pour créer l'histoire de suite, mais qu'elle a été annulée pour mieux la retravailler par la suite. Donc il y a peut-être des évolutions au niveau du personnage, peut-être que Liao ne sera plus une femme, un homme, peut-être qu'il y aura des modifications là-dessus. Mais en tout cas, l'Omniac, il y en a peu, et je vous laisse aller voir, hein, surtout d'aller chercher partout, mais il y a peu d'Omniac avec cette forme-là, donc qui ressemble à Zenyatta et Mandata, qui ont les 3 points en bleu avec des yeux rouges. Personnellement, je n'ai jamais vu un Omniac comme ça. Et bizarrement, dans l'organigramme de la conspiration, il y en a un qui est comme ça. Très intéressant et très important, je pense. En attendant, c'était le numéro 7 aussi sur la couverture. Peut-être que c'était un de ses frères et qu'il serait différent avec des marques. Mais en tout cas, très important à ce niveau-là, je pense, dans l'arc conspiration et l'arc d'origine d'Overwatch. On a bien entendu un autre personnage qui est apparu sur beaucoup de trailers, notamment l'une des photos de l'Overwatch d'or, de l'âge d'or. La photo, c'est cette photo qui marque justement l'âge d'or d'Overwatch avec les squads qui étaient à la base 6 et qui grandit en nombre avec les premiers agents d'Overwatch qui ont rejoint. On voit Angela Ziegler, on voit Macri et on voit deux personnages que l'on ne connaît pas. On voit la petite Pharah qui est toute petite encore à côté de sa maman. Et on voit donc Gabriel Reyes, hein, Morrison, Amari, Reinhardt, Macri, Tobjorn et Ziegler. Et à côté de ça, on voit deux personnages que l'on ne connaît pas. Alors le personnage de droite, donc plutôt au teint mat, enfin au teint très sombre, qui est probablement peut-être une personne de Numbani, je pense, mais pour le moment on n'a pas d'infos là-dessus, c'est vrai qu'on l'a peu revu. Par contre, le gars qui est juste ici, même pour beaucoup, certains ce serait peut-être Liao, justement. Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un des agents
qui a été les premiers à rejoindre Overwatch et les plus importants peut-être aussi dans l'âge d'or d'Overwatch avec Winston, etc. Je ne pense pas personnellement que ce soit Liao, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui montrent en tout cas que c'est quelqu'un d'important. Dans la vidéo du recall, on le revoit aussi. On revoit justement la tête avec justement cette espèce de coiffure assez originale. On le voit dans les concept art de tout début d'Overwatch, on viendra juste après, il y en a deux et on le voit, donc ça c'est super important. Dans la vidéo justement que j'ai montré au tout début, on voit dans celle de l'attaque du musée, on voit les personnages, différents personnages d'Overwatch, on le voit, et à côté de ça il y a son nom qui apparaît, alors très rapidement, ça c'est un arrêt sur image, et on le voit aussi sur la photo de Soldat 76, alors c'est peut-être pas le même mec, mais aussi il y a de l'importance quoi, on va dire dans l'Overwatch origine, dans les origines d'Overwatch il a de l'importance, et ça pourrait être un certain Bleak, B-L-E-A-K. Le problème, c'est que, en fait, dans la vidéo du recall, il y a deux personnages qui ont le Bleak comme ça. Le nom, vous voyez, Bleak, il y en a deux. Et il y en a un autre, ce serait il ressemble un peu à Lucio. Donc on ne sait pas lequel est, mais en tout cas, le nom de code, moi, que je lui donnerais, ce serait Bleak. Qui est ce Bleak? Voilà, on ne sait pas. Il y a donc Bleak, Liao, qui ont beaucoup d'importance dans le lore. Quelle sera leur évolution, peut-être que ce ne sera pas cette année, l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup d'importance. On parle évidemment de la femme tout à droite aussi. Est-ce qu'elle sera travaillée par la suite? Ça pourrait être intéressant. Peut-être aussi un personnage de Noombani. Pourquoi pas une Doomfist féminin? Peut-être que ça... je ne sais pas, ça pourrait être une possibilité. On verra, je pense pas, hein, bien sûr. Mais ça pourrait être un membre de Noombani aussi, originaire de Noombani. Et on va pouvoir attaquer une autre photo pour terminer, enfin ce sera pas la dernière photo mais c'est une des dernières, avec justement l'un des premiers concept art d'Overwatch qui a été montré à la BlizzCon 2015 ou 2014, je ne sais plus, par Jeff Kaplan, avec les premiers concept art et le premier Overwatch. Vous avez souvent vu la photo, je peux vous la remettre si vous voulez, là justement celle qui est connue, voilà, d'Overwatch, c'est ça, c'est cette photo là. Mais pour arriver à ce résultat-là, il y a eu des concept art, etc., etc. Et on a du coup l'Overwatch prototype, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire avec des personnages qui ont pu évoluer. On voit Rodok, par exemple, qui n'a pas le masque. Je pense que la femme qui est là, c'est probablement un des concept art de McCree à la base, ou peut-être un autre. On voit Bleak, le fameux Bleak, au-dessus aussi. On voit Angela Ziegler, qui à l'époque avait une armure rouge, qui est passée sur du jaune. Fatal, qui était un homme visiblement, et qui est devenu une femme par la suite. Soldat 76 au milieu, en tout cas ça ressemble à être Soldat 76, qui a été retravaillé pour être moins ressemblant au Morrison d'Overwatch. Tobian qui n'a pas bougé, Tracer juste au-dessus. On a à côté d'ailleurs, très intéressant, je vous laisse aller voir le recall, mais Athena, qui est l'un des personnages qui, à mon avis, a le plus de chances d'arriver aussi. Ce serait un support Omniac, qui est une IA créée par Winston et par Overwatch. Donc un ancien agent d'Overwatch, on l'aide vraiment. Et un petit peu à l'image de Mass Effect, où l'IA était juste une IA et a été téléchargée dans un corps mécanique, ça pourrait être le cas pour Athena, qui est tout simplement l'aide de camp de Winston dans tout ce qu'elle fait. Donc vous l'avez déjà croisée en fait, Athena. Et ça, elle a été teasée très tôt au final, Athena. Donc ça pourrait être intéressant. Le personnage derrière, qui est peut-être un des concept art de Reinhardt, mais au final, je vous laisse aller retrouver, je ne l'ai pas là, mais une vidéo justement... Enfin, en gros, ça c'est l'alpha, le prototype alpha d'Overwatch, il y a le prototype bêta, et il y a l'Overwatch final. Et le prototype bêta, vous pouvez le voir justement dans le casque du musée où on voit des persos et on voit à la fois Reinhardt et ce mec là. Et visiblement l'armure c'est un peu plus Noombanienne. Donc ça fait armure de Noombani un petit peu. Donc c'est possible aussi que ce soit un éventuel Doomfist, pourquoi pas. Après dans la vidéo il parle de fusionnateur, il parle de machin, etc. C'est peut-être un de ceux-là aussi. A noter Genji, qu'on voit encore un petit peu avec la fin du concept où, je vous rappelle, hein, allez voir la vidéo concernant Genji, mais à la base Hanzo et Genji doivent être le même personnage, au final il a été décuplé en deux persos. C'est possible que ça devienne le cas aussi pour Chacal, puisque Chacal, vous pouvez le chercher, vous ne le trouvez pas sur la photo, c'est normal. Chacal à la base devait avoir une tenue hazmat et devait être... Alors, au niveau de l'histoire, on ne sait pas si c'était quelqu'un de gentil ou méchant. En tout cas, il était en tenue hazmat, donc en gros les tenues de protection contre les radiations, etc. Et on le voit justement devant Faucheur. Et oui, c'est l'un des chacals, c'est le chacal originel. Et au final, Chacal a été retravaillé pour faire une espèce de Joker en mode Joker de Batman et Mad Max, en gros, c'est un peu l'idée. Et du coup, le côté fusionnateur, moi j'imaginais un peu ce mec-là en mode, voilà, une arme à radiation, etc. Peut-être que justement, comme pour Genji, le perso a été décuplé en deux persos, c'est possible aussi. En attendant, on voit encore Symmetra avec l'ancien gameplay où elle devait avoir une espèce de tourelle défensive, mais c'était trop pété. On voit d'ailleurs Winston juste au-dessus. Alors,
probablement Pharah, mais qui a été beaucoup modifié aussi au-dessus. Un des Omniacs tout à droite. Je rappelle qu'il y a Bastion à gauche en dessous de Ziggler, donc ce n'est pas le prototype de Bastion, mais on voit ces araignées mécaniques que Overwatch a combattu puisque c'était un Omniac. Est-ce que c'était le prototype d'Orisa ou en s'en est un autre? On verra. Il n'y a pas de perso d'artillerie, et c'est vrai que ça fait plus robot d'artillerie en tout cas pour les Omniacs. Et enfin, tout à droite, un perso qu'on ne connaît absolument pas du tout, et celui qui est juste au-dessus de Symmetra d'ailleurs. Ressemble beaucoup au skin Anniversary de Soldat 76, donc peut-être que c'était un petit peu dans le même délire et qu'ils se sont dit non, on va le filer, on va rechanger, on va le filer en tenue cyborg pour Soldat 76, c'est possible aussi. Après, il y a plein de persos qui ont été évoqués, qui ne sont pas vraiment teasés, sauf Doomfist et d'autres, Athéna notamment, mais c'est vrai que certains sont encore à l'état de possibilité. Bleak, c'est exactement le cas, mais depuis le prototype, il a été évoqué. Et il y a aussi un autre concept, alors je ne l'ai pas ici, mais avec une espèce de robot araignée qui lâchait plein de petites araignées, un petit peu à l'image des Nécrons dans Warhammer, pour ceux qui connaissent. Et ça pourrait être aussi un personnage méchant. Et je rappelle, en tout cas dans la conspiration, on voit énormément Ancora, qui ressemble un petit peu à ce type de robot. Et dans le côté Volskaya, il y a des archétypes qui montrent un petit peu ce genre de choses. Donc c'est possible aussi qu'elle ait un lien entre Numbani et la Russie avec les entreprises Volskaya. C'est possible. En attendant, je pense quand même que le robot, ça doit être Orisa du coup, et le rapport avec Doomfist. En tout cas, voilà, ça c'est bien sûr, c'est de la création. Et pour finir, je pense que c'est important de revenir aussi sur la chronologie des vidéos. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais revenir un petit peu sur la chronologie et l'ordre de vidéos, puisque Blizzard a annoncé, Jeff Kaplan a annoncé officiellement qu'en fait, ils allaient faire des espèces de saisons. Saison 1 avec les courts-métrages qui sont déjà sortis, et en gros, avec la deuxième année, une espèce de saison 2 où il y aura donc à peu près le même nombre de courts-métrages. Et Jeff Kaplan a donné des détails d'ailleurs avec les nouveaux persos sur lesquels ils... Enfin, les nouveaux persos, les persos qui allaient être l'objet des courts-métrages. Attention, que je ne fasse pas de mauvais détails. Et du coup, apparemment, on aurait des vidéos consacrées plutôt sur Symmetra, Pharah, Junkrat, donc Chacal, et Rodog. C'est les quatre persos sur lesquels on pourra avoir, après les autres ne sont pas montrés, ça pourrait être tout simplement tous ceux qui restent, hein, tout simplement. Mei, il y avait la BD, peut-être que ça sera poussé aussi à un court-métrage. En attendant, BD, en tout cas, c'est notre ligne, c'est la ligne directrice. Après, bien sûr, Lucio, Diva, etc. Il y a encore plein d'histoires, plein de personnages sur lesquels l'histoire peut être approfondie, et ça sera peut-être en BD ou en court-métrage, on verra. En attendant, pour la chronologie de l'histoire, très important, Recall passe en premier. Recall, c'est celui qui passe avant tout le monde. Et là où il y a un conflit, c'est que le seul, on va dire, un petit peu alien là-dedans, c'est Envy. Envy, on ne sait pas s'il est avant Recall ou pas. Le reste, après, il n'y a pas de problème. On sait que Recall est en premier, ensuite Dragon, Héros et le dernier Bastion se passent à peu près en même temps, et Infiltration, c'est la suite. C'est voilà, la suite avec justement les événements avec son bras, etc. Du coup, il y a juste un petit problème au niveau chronologie, et je me suis pas mal renseigné, et là-dessus, on n'a pas de véritable réponse à l'heure actuelle. Recall ou Envy, lequel est avant l'autre? Personnellement, je suis plutôt... Il y a deux camps qui s'affrontent au niveau histoire pour savoir lequel est en premier. Après, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Envy est avant Recall. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Recall, il n'y a que Faucheur qui intervient pour pirater, avoir la connaissance de tous les trucs. Ça veut dire que Fatal n'était pas là. Pourtant, on voit tout le temps Fatal et Faucheur travailler de pair. Et surtout, Tracer, on la voit dans Envy, et du coup, Recall et Envy se passeraient peut-être à peu près en même temps, sauf que Envy serait avant, à mon sens, puisque... Tout simplement, dans Envy, il y a l'assassinat de Mandata qui change tout, en fait. Ça change tout. Savoir si c'est après Recall ou avant Recall est très important. Et à mon sens, je pense que Envy est avant, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai traité dans l'autre vidéo sur l'histoire d'Overwatch. Je pense vraiment qu'Envy se passe légèrement avant Recall, et ça change pas mal de choses pour la suite de l'histoire. Mais du coup, Recall, Envy, de toute façon, ça se tient un petit peu dans la ligne chronologique, ça se tient à peu près. Mais à mon sens, Envy se passe avant. Après, le reste, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous allez me dire, mais où se passe la cinématique du musée? Et la cinématique du musée, tout simplement, eh bien, elle se passerait après Recall, ça c'est certain, puisque l'attaque du musée, on voit déjà que Tracer et Winston sont ensemble, donc à mon sens, c'est après Recall et après Envy, et ça se passe à peu près entre celle sur le soldat, celle sur Hanzo et Genji, et celle sur Bastion. Donc ça, c'est très important, puisque celle, je rappelle, et c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo aussi au tout début, et que je ne l'ai pas mise dans l'autre vidéo, qui était déjà sur la première partie, on va dire, sur Overwatch, puisque... C'est déjà le teasing pour Numbani. Le perso, le premier perso à avoir été teasé par Overwatch au final, c'est Doomfist. Et on a justement l'arc Numbani, on a pas mal de choses qui sont montrées là-dedans.
Et au final, la toute première vidéo d'Overwatch, elle est toujours d'actualité par rapport à ce qui va arriver, donc c'est super intéressant. Et c'est la première mission aussi, c'est la première vidéo où on voit l'Overwatch 2.0 agir en fait. Puisque dans Recall, Winston est encore tout seul, dans Envy, Tracer est encore de son côté, c'est aussi pour ça que je pense que Envy est avant Recall. Et là, enfin, dans l'attaque du musée, on voit que Winston et Tracer travaillent ensemble comme au bon vieux temps, à l'époque de Overwatch 1.0, sauf que là c'est le Overwatch 2.0 qui affronte les nouvelles menaces, à savoir la griffe menée par Fatal et ainsi que Reaper. Reaper, on sait pas trop s'il fait vraiment partie de la griffe, mais en attendant il agit avec, ça c'est certain. Et du coup c'est très intéressant parce qu'il y a aussi l'arc avec on veut voler le gant pour Doomfist, est-ce que c'est le fléau, etc. Beaucoup de choses qui se posent dans cette vidéo. En tout cas, après un an d'Overwatch, qu'on peut dire c'est que l'histoire a avancé, c'est certain. Peut-être un petit peu trop au ralenti, hein, ça c'est mon jugement personnel. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais ce qui prouve aussi que l'univers d'Overwatch n'en est qu'à ses balbutiements. C'est le début de l'histoire. Et c'est super intéressant de voir l'évolution, en tout cas au bout d'un an. Et j'espère, en tout cas, j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience l'arc Numbani pour voir un petit peu la sortie de Doomfist et ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ça, mais au final, retravailler toutes les histoires et retravailler les dates à la sortie, les petits clins d'œil qui ont eu lieu et tout, c'était... Ça m'a demandé du temps au final. Je pensais que ça allait être rapide et au final ça a été une de mes plus longues vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. Là on va attaquer, comme j'ai pu le dire un petit peu en stream, là l'arc Overwatch on arrête un petit peu, on met en pause. J'ai fait déjà Genji, D.Va et là maintenant du coup les 1 an d'Overwatch. Là on va partir sur un arc un peu plus Diablo, avec la suite de Diablo 2, donc Lord of Destruction, Diablo 3, Maltael, avec Reapers of Souls également. Donc là, on va partir sur un arc un peu plus Diablo, sachant que cet été, normalement, devrait sortir le StarCraft remasterisé. Et du coup, je pourrais finir StarCraft 1 avec Brood War par la suite. Voilà. Et pour Warcraft, je pense peut-être aussi bosser. Ça fait un moment, au final, que j'ai pas fait vraiment de vidéo Warcraft. Donc, je pensais aussi bosser sur Frozen Throne, puisque j'avais fait Reign of Chaos. Passer sur Frozen Throne, qui me demanderait beaucoup de temps, puisque j'adore ce jeu. Frozen Throne, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Overwatch vous a plu. Je vous fais beaucoup de bisous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai pu citer, certaines vidéos en tout cas que j'ai pu citer dans la description, notamment celle d'AlphaCast sur Doomfist. Je vous la conseille, elle est super intéressante. Si vous aimez l'histoire d'Overwatch, je vous la conseille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acharnement. Allez-y, elle est super intéressante. Et du coup, eh bien, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bientôt l'arc Diablo. Je mettrai du coup partie 2 au niveau de l'histoire d'Overwatch, puisqu'elle suivra la vidéo qu'on avait faite sur l'histoire d'Overwatch, partie 1 avec Recall, etc. Mais après, bien sûr, toutes les vidéos sur le clan Shimada, etc., Genji, allez les voir en connexe. Mais au niveau suite, ce sera la suite directe de l'histoire d'Overwatch, tout simplement. En attendant, passez une très bonne journée. Je ne sais pas si vous la regardez le soir ou pas. Passez une très bonne soirée pour le stream dans 5 minutes. Et on se dit à bientôt. De toute façon, à plus dans le Nexus pour une prochaine vidéo. The fuck, ça a complètement planté. What the fuck, au moment où je change de scène. Oh, X-Split. Non, X-Split, please. Le chat, répondez le chat. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est moi ou ça freeze? Ok, ça freeze. Du coup...